un membre bionique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. Ah, c'est vrai, un truc de ouf. On en a fait une hier quand même. Comme. Ah oui, en fait, mais t'étais pas là. Si, si, il est venu. Si, il était là. Non, mais il était là. Après, il était pas là. Il est venu faire. Ça t'a manqué un moment de pas faire de vidéo. Ouais, ça m'a manqué. Pourquoi on en fait plus? On en fait plein en 2020. Mais oui, oui, oui. On va en faire plein en 2020. Allez, les gars. Chaud ou pas? Les gars, chaud. En jeu, chaud patate. Moi, je demande si on filme de temps en temps. Hein? Je demande si on filme de temps en temps. C'est vrai? Oui. Ah bah, faut pas juste demander. Qui c'est qui m'a dit qu'il y a longtemps, il y a longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo? Ah, c'est mon frère. Il m'a dit, putain, il y a longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo. C'est vrai, ton frère, regarde ses bouses. Putain. Qui c'est? Mais il a que ça à foutre. Non, putain. Qui regarde, il a su. Non, mais c'est vrai qu'en 2019, on n'a pas été très productifs, les gars. Ouais. Hein? Tu fais productif du pas du tout. On est passé à une vidéo tous les deux mois en 2019. C'est vrai? Oui. Oh mon dieu. Et donc, ça avant, c'était une vidéo par semaine. Ça nous fait baisser quoi? Le référencement? Bah, pas forcément le référencement, c'est juste les gens. Après, quand tu postes une vidéo par tous les deux mois. C'est vrai, les gens. Parce que c'est pas bien. Une vidéo par semaine, du coup, tu vois, toutes les semaines, ils attendent leur vidéo. Une vidéo tous les deux mois, t'arrêtes de te passionner. Hein. Tu regardes autre chose. Hein. C'est beau, c'est tous les deux mois. Tu penses qu'on a déçu les gens qui vont. En fait, l'objectif 2020, c'est une vidéo par semaine. C'est ça que tu annonces. Voilà. Parce que mais vous assumez, les gars, pourtant, j'ai jamais autant joué ces derniers temps. Mais alors, c'est vrai qu'on a plus joué. Moi, du coup, moi, comme je faisais moins de vidéos, je jouais plus, par contre. Ouais, on a pas mal joué à Necromunda. C'est moi, je suis super content de jouer. J'ai jamais. Mais il y aura pas moyen de doubler le matos, comme ça, les gars, en semaine. En plus d'aller en cours, ils peuvent faire des petites vidéos pendant les deux. Pendant qu'on travaille, on attendra les cours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est non, ça. Mais après, là, tu vas être capable de dire, tu sais, papa, pour mon dernier bulletin, je sais que c'était pas terrible, mais c'est pas ce que j'ai fait. Quoi, c'est pas terrible, j'ai 14 de moyenne. Ah bah c'est bon. Non, c'est mais vidéo. Si jamais tu te loupes ouais, et que tu as fait des vidéos pour la chaîne, tu pourras dire. Ça te fait un joker. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait un joker. Alors par contre, moi je veux bien qu'on en fasse plus, mais du coup, je me retrouve tout seul à monter comme un con à chaque fois. Mais non, mais moi je monte. Toi, tu vas monter aussi, moment? Moi je monte plein de trucs. Ok. Je peux monter des vidéos. Mo, pourquoi tu regardes ailleurs? Tu vas monter toi aussi? C'est Julie, non? Enfin, tentative Julie, vas-y. Non, c'est Julie qui. Tentative, t'as loupé ton génétique en tapis. Là, vaut mieux, ouais. Mais vois pas. Et puis arrêtez de teaser, les mecs. Bah, allez, il faut croire qu'on voit dès le début de la partie. Putain. Mais de toute façon, vous buvez H24, les mecs. Ça, tout le monde le sait, vous avez vu les ganaches que vous avez. Non, je veux dire, ça pue l'alcool. Ah, la partie, hein, ça, c'est bien la différence entre le début et la fin. À la fin, vous êtes bon. Bah, allez, je suis dans les effets spéciaux, moi. Allez, c'est parti, on recommence. Qu'est-ce que c'est déjà? Pourquoi tu putain, c'est compliqué. On doit dire les tortues clodo dans les cassos. Il va mettre un sphincter! Les tortues clodo! Après. Ah putain, j'ai mal au dos, vite! Et c'est toi qui couines! Non, arrête de couiner! Enlève-toi de la chaise! 1, 2, 3. Salut les amis! Bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu! Bonne année encore! On est en vacances, on fait plein de vidéos! C'est bien! On est en famille! Arrête! Arrête de couiner, putain! Arrête de couiner, putain! Arrête de dandiner, toi! Je bougerai pas de la partie! En plus! Promis, je ne bougerai pas de la partie! En plus, il y a 4 chaises, t'as juste pris celle qui queen, quoi! T'es en relou, putain, c'est pas possible! Bon, ce soir, les amis, on va jouer en exclusivité en avant-première! En exclusivité! Toujours en avant-première à Blackstone Fortress! Le nouveau jeu de Games Workshop. Il est très récent. C'est vrai? Bah oui! Il est sorti il y a. En décembre! De l'année dernière! 2018. Il y a deux ans, je crois. Donc on est presque en avant-première. À peu près deux ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que tu peignes tous les bonhommes. C'est à peu près ça. Bon, c'est un jeu qui est très bien. Magnifique. Ça va rappeler Silver Tower à Angèle parce que. Ouais. En mieux, quand même. Non, mais je préfère préciser vraiment en beaucoup mieux parce que, du coup, on n'avait plus jamais joué à Silver Tower. Ouais, Silver Tower, on a fait une partie, on a tous trouvé ça. Non, pas tous. Il y a Angèle qui était à Paris pour un stage à ce moment-là. Il a adoré. Avec nous. Il avait bien aimé. Il avait bien aimé. Il a tué beaucoup de gobelins. C'est un peu le même principe au niveau de la gestion des dés, etc. Mais le fluff est, quoi, ils ont amélioré un peu le système. Non, la mécanique de jeu est quand même carrément mieux. Ils ont, et puis le fluff est un peu plus intéressant que celui de Silver Tower. Ouais. Non, globalement. Je trouve que vraiment tout est mieux en fait. Tout est mieux. Donc c'est à ça qu'on va jouer. On va faire une petite partie d'initiation. Il y a des gens qui ont joué ici. Moi j'ai déjà joué pas mal. Moi j'ai déjà joué aussi. J'ai déjà une petite enveloppe avec plein de stuff. Ouais. Momo aussi, toi tu joues. Moi j'ai joué moi. Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'on avait joué. On n'a pas tout filmé ces derniers temps. On n'a pas mal joué. Putain, arrête de dîner. Blackstone Fortress, bien sûr, tu as joué. Par contre, première partie pour Angèle. Les premières parties pour Néo. Ah, on est des novices là. Sachant que nous, on a quand même recommencé à zéro pour l'occasion de la partie. Voilà. On prend des persos à Walpex. À Walpex.
tout neuf au niveau. Et puis moi, j'ai pas de personnage, puisqu'on peut jouer de 1 à 4. Et on est 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je vais filmer. Je me sacrifie. Je filme. Voilà. C'est pour ça qu'on a un peu moins filmé aussi ces derniers temps. C'est parce que j'ai beaucoup plus joué. Je me suis bien amusé. Mais vous n'avez rien vu. C'est cool. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais promis, 2020, les bonnes résolutions, c'est de refaire plus de vidéos. Angèle et Néo vont aider au montage. Ouais. Allez, Angèle. Ah ouais. En plus, Néo, toi, tu fais des trucs de ouf. Ouais, hein, bah oui, vidéo, ouais, tu c'est fais vrai. Du After Effects et tout ça. Ah bah, il y aura des super vidéos. En 2020, la fin de la baisse. J'ai baissé le soir, mais il y aura certainement des super vidéos. Mais faites par quelqu'un d'autre que moi. Non, je vais te recruter, tu vas me faire des petites séquences vidéo avec des lasers et tout ça, ouais. Ok, ça me va. Ok, super, on a un engagement de Néo. Et toi, Rachel, tu vas faire quoi? Je ne sais rien faire, moi. C'est la même technique quand tu veux rien foutre. C'est que tu dis, non, mais ça, je ne sais pas faire, monsieur. Ça, c'est quand ça t'arrange, mec. Bon, bah écoutez, les amis, voilà pour une partie d'initiation de Blackstone Fortress. Si ça vous plaît, on en fera d'autres. Mmh. On dédicace. Et si ça vous plaît pas, on en fera quand même d'autres. Ouais, on en fera quand même d'autres, mais peut-être qu'on les filmera pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Nous, on doit faire le bastion final ensemble aussi. Ouais, ça va bastion être bon, final. Ça. Donc ça, c'est initiation. Ça vous permettra de comprendre les règles. Et après, la prochaine vidéo, c'est directement bastion final. Voilà, une mini expédition rapido. Voilà, pour bien comprendre. Ok, ça va, tout le monde est d'accord? C'est parti. Bon, ouais. Momo, t'as des commentaires à faire? Toi aussi, tu vas faire du montage vidéo. Oui. Non, mais oui. Oui. Pourquoi vous avez tous la voix plus aiguë quand vous dites un mensonge, en fait? Impression. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la voix qui est plus aiguë, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, bah, tu veux que tu fasses une vidéo? Moi, je dis non. On a fait combien? Mais de monter des vidéos, non. Par contre, bientôt, j'ai une vidéo sur la peinture des décors pour Necromunda qui arrive sur ma chaîne. Donc, du coup, ça permet de soutenir. Tu fais quoi? Un placement? Ouais, on cherche des figurines. Je peins les figurines pour qu'on joue avec. Je peux pas tout faire. C'est déjà un apport en soi. Bon, on en a fini avec les excuses. C'est assez là. Il y a trop de drama. Allez, les amis. C'est les résolutions qu'on prend. C'est les bonnes résolutions de l'année 2020. Ouais, moi, je peins des figurines. Montage vidéo. Montage vidéo. Montage vidéo. Peinture de figurines. Moi je joue, ok, c'est déjà pas mal. Bon, allez, voilà les amis, on se retrouve tous sur la table pour jouer à Blackstone Fortress en exclusivité, en avant-première sur les dingues de jeu. International. Bim! Bam! Ça y est, les amis, on est installés autour de la table. Donc, on a tiré la première mission pour faciliter la mise en place. Voilà notre première map. Ça s'appelle la Schneck de l'espace. C'est vrai que c'est un bel utérus. C'est un peu ça, ouais. Terme technique adéquat. Mo, ambiance-nous un petit peu, là. Ok. Mets-nous dans l'ambiance, raconte-nous un peu le fluff. Donc là, on va attaquer nos premières expéditions pour la forteresse noire. Je vous mets dans l'ambiance en vous lisant un bout de fluff tiré du bouquin. Aussi vaste et noire qu'un planétoïde sans étoiles, la forteresse noire est une création dont la technologie dépasse de loin celle de toutes les races de la galaxie. Beaucoup souhaitent découvrir qui a construit ce vaisseau colossal et dans quel but. Car même si elle est désormais plongée dans la torpeur, la forteresse noire dispose d'immenses pouvoirs. De plus, on sait que cette construction n'était pas unique. 6 autres furent jadis créées et rencontrées par l'Impérium. Les destructions qu'elles occasionnèrent contribuèrent à refaçonner la galaxie en la coupant en deux. Waouh, c'est cool. Oui, ouais. Angèle, t'es ambiancée ou quoi? Ambiance au maximum. Les gars, vous êtes ambiancés. Momo, il est chaud, ça va être ouf. Ah, Néo, il est. Il est ambiancé de ouf. Il est au top de l'ambiançage. Mais j'ai remarqué quand même qu'à un moment, Angèle, j'ai vu sourire. Oh, regardez. Il a cligné d'un œil. Là, il est au top de sa forme. Top de l'émotion. Ambiancé à mort. Donc, l'idée, c'est que chacun d'entre nous va représenter un aventurier et ça va être nos premières explorations. Okay. Notre objectif. À travers ces explorations, ça va être de découvrir des indices pour pouvoir ensuite attaquer des bastions. Et une fois qu'on aura atteint et conquis ces 4 bastions, on va pouvoir s'attaquer à la crypte cachée et en fait, du coup, découvrir le secret de cette forteresse noire. D'accord. Donc là, la Schneck de l'espace, ça n'est que la première aventure d'une longue série. Ce n'est qu'une exploration qui va être sous forme de combat. Il faut savoir qu'on va pouvoir avoir ou des combats, donc où nous, on va activer nos figurines pour combattre des ennemis, où on va pouvoir avoir des petits défis qui vont nous amener à... ça va dépendre, donc on va en découvrir ensemble de toute façon. Cool, on a compris. Qui va jouer quoi? Alors, aujourd'hui, on a Néo, du coup. Néo, tu joues qui, toi?
Alors moi je suis psycheur, c'est Aradia Madelan. Aradia Madelan. Peinture masterclass par mot. Non, merci, c'est genre magnifique. Hein, magnifique. Magnifique. C'est superbe, la lumière est pourrie, donc j'espère que vous la voyez. En tout cas, c'est très bien peint. Bravo, Mo. Merci. Donc, vas-y, ambiance-nous un peu là, c'est quoi son histoire? Alors, Aradia. Ambiance. Néo, t'es prêt pour t'ambiancer? T'es bien pour t'ambiancer? Mets-toi dans la peau du personnage. Alors, Aradia. Déjà, t'es une meuf. Madelan. Déjà, t'es une meuf, mais t'as pas des seins énormes. Il faut le t'as un regard de braise. Non, mais c'est vrai que des fois, en fait, on la confond parce que bon, voilà. Bref. Elle a comme les gens avec son cerveau, avec les yeux aussi. C'est comme, comme tous les psycheurs primaris, Aradia Madelan utilise des pouvoirs psychiques autorisés pour affronter les ennemis de l'humanité. Ses aptitudes furent affûtées par un rigoureux entraînement mental et spirituel conduit sous le regard intraitable de l'Inquisition. D'une pensée, Aradia est capable de conférer une vigueur surnaturelle à ses alliés et de libérer des décharges d'énergie empyréenne sur l'ennemi. Wow. Ouais, grâce à toi, on va être vigoureux. Ouais. À présent, attachée auprès de Nayam Shai Mourad, Madelan guida son employeur jusqu'à la forteresse noire grâce à ses visions précognitives. La psycheur primaris a aperçu un futur dans lequel la forteresse a ravagé la galaxie et veut à présent s'assurer que l'Imperium soit à l'origine de cette dévastation en utilisant la forteresse noire comme arme d'ultime recours. Waouh! Ah ouais. Du coup, bah, elle est pas très très gentille au final, celle-là. Si, mais... Bah si! Bah, si elle préfère que l'arme soit du bon côté. C'est pas mauvais. Ce qui est bien, mais c'est... Léo commence à se remettre un petit peu en question. Qui suis-je? Que fais-je? Et n'y a-t-il pas une solution pacifique à tout ça? Il n'y a pas des traîtres à un moment dans l'histoire, parce qu'elle est pas mal partie, là. Non, Dom n'est pas là, donc il n'y a pas de En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, son personnage, il nous introduit le personnage d'Angèle. Ouais, c'est ça, je cherchais les noms tout à l'heure. Angèle, c'est toi, Nayam Mourad. Voilà, et en fait, c'est un peu le boss. Si j'ai bien compris, de l'expédition, parce que c'est le Rock Trader qui va mener un peu tout le monde. Le Rock Trader, comment ça s'appelle en général? Nayam Shai Mourad. Voilà. Naya Kamura. Naya. C'est ça. Non. Allez. C'est une japonaise, ça. Tu veux chanter un peu quelque chose, Angèle? Ouais. Non. Angèle, le corsaire, corsaire de l'espace. Angèle, le corsaire, corsaire de l'espace. Bah. Vas-y, Mo, ambiance. Alors, un peu de fluff, s'il vous plaît. Alors, Nayam Shai Mourad, après avoir pris les étoiles en tant qu'arc militant au service d'un rock trader, Nayam a fait montre d'un tel talent qu'elle a hérité de la concession commerciale de son maître. Depuis, elle a poursuivi la navigation en marge de l'espace impérial, conquérant des dizaines de mondes grâce à une application précise de la force. Sa volonté d'utiliser chaque ressource à sa disposition l'a fait s'entourer d'une myriade d'attachés impériaux, qu'elle traite en égo tant qu'ils atteignent son niveau d'exigence. En apprenant l'existence de la forteresse noire, Mourad traça une route vers les étendues occidentales, déterminée à obtenir cette arme primordiale pour l'humanité. Elle a adapté à présent ses paramètres de mission et cherche à éradiquer la présence du chaos dans la forteresse. Waouh, Angèle, tu te sens investi d'une mission. Angèle, tu vois, il a souri, j'ai vu ses yeux pétiller. Ouais. Il a des étoiles, des papillons dans les yeux. Bientôt une larme. Ouais. Faudrait que tu te mettes au poker quand même. Je pense que c'est le meilleur jeu pour le jeu. La poker face, la plus ouf du monde. Ensuite, avec nous, on a... Mo. Voilà. Et moi, ouais. Et qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu joues? Godefroy de... Montmirail. Alors, le tueur de le pourfendeur de Sarrazin. Ah, c'est ça, il fait des fentes. Il va nous faire des montre-nous ton bonhomme. Ouais, t'es pas mal, c'est cool. Ouais, on est un peu à l'ombre, c'est pas grave. Mais c'est super bien peint. Hein. Ouais. Super bien peint. Vas-y, moi, ambiance-nous. Allez, Godfrey dans l'espace. Explique-moi, qu'est-ce que je fais là? En vrai, son vrai nom, c'est Godfrey de Montbard, mais on va l'appeler Godfrey de Montmirail parce qu'on l'aime bien. Alors, Godfrey de Montmirail faisait partie d'une escouade impériale visant à trouver la forteresse noire. Issu de l'ordre des cardinaux pourpres de l'Ecclésiarchie, il a combattu aux côtés de vastes contingents de l'Astra Militarium et de forces de l'Adeptus Ministerium qui se frayaient un passage à travers le Sanguinum Pacificus. La croisade devait, selon une prophétie, engendrer une manifestation de la colère de l'empereur. Un ange de feu qui déchaînerait sa fureur, mais elle n'atteignit jamais la forteresse. Oh merde, je crois que c'était Momo, l'ange de feu. On était pas loin. Assailli par une inépuisable nuée de bandes du chaos et de Xenos, les forces impériales ont été balayées lors de leur progression.
Après que, les freebooters orques en maraude aient abattu la dernière frégate de son cardinal, Godfred Montmirail fut le seul survivant de cette grande croisade, mais il ne renonça pas. Par chance, ou par un caprice du destin, il fut choisi par la rock trader Neyam Shai Mourad, qui vit en lui un allié possédant autant de cran et de détermination qu'elle-même. Ainsi, voyagèrent-ils ensemble jusqu'à précipice, en dépit de motivations divergentes, et bien que Godfred Montmirail trouve impensable le manque de piété de la majorité des habitants de la station. La présence de Pius Vorn lui a rendu l'espoir de concrétiser la prophétie qu'il a suivie. Repentez-vous. Il fallait brûler tout le monde, moi. Ouais, c'est bien ça. Brûlez. Et ensuite, il manque quelqu'un, là, moi, il manque toi. Alors, parce que... j'ai pris un perso de la première boîte de base, qui est là, on est tous UR25. Ouais. On vous êtes ouais et puis moi je me joins au groupe, je suis comme ouais, ça. C'est ça. Comme ça. Donc UR25 UR25 c'est un robot impérial alors le robot impérial UR25 est une bizarrerie même dans l'environnement inhabituel de Précipice. Protégé par un blindage épais et portant un armement dévastateur, il est très demandé par tous ceux qui souhaitent s'aventurer dans la forteresse noire. UR25 est arrivé à Précipice à bord d'un cargo à déchets délabrés. Et émis une autre proclamation affirmant qu'il avait été envoyé par le Magos Etericus Nanctos III en tant qu'unité autonome de collecte de données, et qu'il avait reçu pour prérogative d'éradiquer ceux qui s'opposeraient à la mission que l'Omni-Messie lui avait confiée. En vérité, ce robot est bien plus vieux que quiconque pourrait l'imaginer. Sa création remonte à l'âge de la technologie, lorsque l'humanité fabriquait des machines douées de conscience qui finirent par se rebeller contre elle. Appelés hommes de fer, ces robots intelligents ont été presque totalement exterminés depuis. D'une façon ou d'une autre, UR25 a survécu au passage des millénaires en se cachant en bordure de la galaxie et en laissant croire ceux qui l'entouraient qu'il n'était qu'un automate au service de l'Imperium. Contrairement aux autres habitants de Précipice, il se moque des colifichets Xenos accumulés par la forteresse noire et convoite sa technologie, car il voit en elle un être qui lui ressemble. Ah putain, t'es un Terminator. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant sur UR25, c'est que, bah, en fait, il parle d'une partie du fleuve qui est complètement, qu'on zappe souvent dans 40K, qui sont la vieille intelligence artificielle qui a détruit l'humanité. Ouais, c'est nouveau, ouais. Ouais, c'est nouveau, ça. Ouais. Ben, en fait, c'est ancien, mais c'est vrai qu'ils en remettent un au devant. Ben, on peut imaginer que ça peut. Ouais, mais ils aiment bien faire ça dans les petits jeux, ouais. Les petits jeux à côté, Alex. Là, remettre des squats, remettre des vieux robots et tout ça. Bon. Toi, tu crois pas trop. Pff, moi, j'y crois pas trop. Ouais, mais c'est parce que t'es devenu un vieux con. C'est pas ça, mais le jour faut où... Faut y croire. Les squats, c'était ma première armée. J'ai toujours eu du flair pour les trucs qui avaient pas d'avenir. Je déteste quand tu dis ça. Ça me fait mal au cœur. Ils ont disparu entre la deuxième et la troisième édition. Sans aucune explication. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tu vis dans le passé, mec. Donc, ce qui va se passer maintenant... C'est que sur la mise en place, les éléments en fait qu'on voit là, ça va être les pop des créatures, mais ouais. Ça va être aussi les zones où on va essayer de finalement découvrir des choses en piochant dans les packs de découvertes qu'il y a là, ouais. Dans lesquels il y aura ou de la technologie Xenos qu'on va pouvoir vendre ensuite au marché, ou bah, des indices qui vont nous permettre d'aller attaquer des bastions. Eh, moi, t'as pas dit là, parce que ça, la map, c'était une carte qu'on a tirée. C'est ça. Et ensuite, on l'a. Il y a une série d'explorations. Ça, j'en ai déjà parlé. Ouais, au c'est début, vrai, si c'est tu vrai. Avais suivi l'explication de règle, ouais, mais je vais le réexpliquer au cas où. Ça vous rappelle quelque chose, les mecs? Ouais, ça vous rappelle. C'est la même série, c'est donc on mélange en fait, on mélange séparément les cartes de défi et les cartes de combat. Ok. Ensuite, de ces cartes de défi et de combat, on va en prendre deux de chaque. Ou on peut en prendre quatre si on veut que la partie soit plus longue. Donc là, on fait une partie assez courte. On les mélange. Donc, ça nous fait deux défis, si on suit bien, et deux combats. Mm-hmm. Et on va les piocher au fur et à mesure. Et en fait, en finissant ces quatre paquets, on aura fini notre exploration complète. Et voilà. Donc là, on va enchaîner en fait, quatre petites explorations. Ok. Qui sont composées donc, de deux combats et de deux défis. Mais on ne sait pas dans quel ordre ça va arriver. Ça, c'est ça. Putain, Momo a tout compris. Je crois que je vais en rester là, moi. Et donc après, ce que je propose, c'est de découvrir le jeu en jouant. Ouais. Enfin, je sais pas si ça vous va. Ouais, je vous explique au fur et à mesure. Sachant que on a notre carte de personnage. Ouais, carte de personnage. Des dés. Donc ces dés, on va les jeter en début. Quatre dés chacun. En début. Non, moi j'en ai que trois. Ouais, toi t'en as que trois. Ouais. Angèle. J'en ai que trois. Jetage de dés. Montre-nous comment ça marche, Angèle. Voilà. Et en fait, c'est ces dés là qui vont nous permettre de nous activer durant la partie. Alors, faut prendre les dés
Alors, ça, je vais l'expliquer après. Ouais, c'est bien, c'était pas un gros jet. Tiens, ouais. Faut prendre des blancs. Faut pas faire... Ouais, c'est bien, j'avais fait beaucoup de 1, là. À moins que les 1 soient bien, mais... Non. Ah, ça vrai. Te rappelle Silver Tower, tout ça, Angèle ? C'est un peu pareil, mais c'est mieux. Alors, je vous explique, ces dés-là, c'est ce qui va nous permettre de nous activer, d'accord ? Il y a des dés, en plus, qui sont les dés du destin, que le... on va tourner, en fait. Chacun de notre tour, on sera le chef. Donc là, je vais commencer en étant le chef, parce que je vais arriver. Mais après, ce sera à vous. Donc, on va virer tous les doubles, donc même les triples. Donc là, on aura que 2 dés qu'on pourra utiliser. Sachant que chacun de notre tour, on va s'activer, d'accord ? Selon un ordre qui sera préétabli par l'initiative qui sera là, je vais vous montrer ensuite. Et on pourra, en fait, chacun d'entre nous pourra utiliser jusqu'à 2 dés disponibles. Donc après, là-bas, il y a un 2 et un 5 qui sont viables, voilà. Parce que les 3-4 sont virés. Voilà, c'est ça. Parce que les 3-4, dès que c'est un double ou plus, on vire. Okay. Donc ensuite, l'étape d'après, ça va être de définir en fait les rencontres qu'on va avoir au niveau de ces spots. Ouais. D'accord ? Donc pour ça, en fait, je vais prendre le paquet de rencontres. Je vais juste écarter les cartes des figurines qu'on ne pourra pas croiser pendant ces... Parce que en fait, en gros, pendant au fur et à mesure de nos expéditions, on va pouvoir découvrir des créatures de plus en plus mortelles. Puissantes. Voilà, de plus en plus mortelles et de plus en plus puissantes. Il faut le savoir. C'est important. Suspense. Donc là, on va faire comme ça. Donc, on va définir. Donc là, tu vas par exemple, Néo, tu vas piocher une carte rencontre. Ce sera la 1 pour définir ce qu'il y aura en 1. Vas-y, tourne-la. Pose-la. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a 2 Spindle Drones. Donc en 1, on va avoir 2 Spindle Drones. Donc je te laisse, Morgane, me filer 2 Spindle Drones. C'est les d'accord, petites. Avec grand plaisir. En 2, on va avoir 4 Négavolts. Les cultistes médiavolts, ah ouais, ils sont pénibles les cultistes médiavolts. Donc ça c'est pour le point 2 là-bas. Ça c'est pour le point 2. Et pour le point 3, on va avoir un spindle drone. On s'en sort bien. C'est cela ? Ouais. Ok, ouais. Les plus dangereux du groupe pour le moment, ça va être les mégavolts. Les mégavolts. Ensuite, moi je vais juste prendre le temps d'aller récupérer leurs fiches pour savoir comment ils vont s'activer. Et on a 3 groupes. Bon, est-ce qu'on regarde une fiche de personnage pour voir comment ça se passe? Alors, ce que je... Ouais, vas-y. Donc là, par exemple, on a la fiche d'Angèle, donc le pirate de l'espace, le rock trader. Donc vous voyez ici une caractéristique de mouvement. Donc ça, c'est pour chaque action de mouvement que tu vas faire, tu vas pouvoir bouger de 2 cases. Les dés de défense, donc le petit triangle, c'est le symbole du dé à 8 faces. En fait, plus il a de face, plus les probabilités de faire des choses intéressantes vont être élevées. Défense, donc ça c'est quand il va se battre, quand il va se faire attaquer, les jets qu'il va lancer. Agilité, c'est pour des tests d'agilité sur des missions spéciales pour pouvoir interchanger sa carte avec des adversaires. Et vitalité, c'est aussi un triangle, c'est pour savoir s'il récupère des points de vie, c'est ça ? C'est ça. Ici, on va mettre les 4 dés qu'il a tirés. C'est aussi son potentiel de points de vie. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des blessures, on va mettre des marqueurs sur ces espaces-là qui vont le priver de dés. Et en fonction des jets, vous allez pouvoir faire des actions. Vous voyez, par exemple, sur le pistolet négociateur, je ne savais pas que c'était une arme de négociation aussi, pourquoi pas, c'est un 1 ou plus. Donc ça, tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps. Par contre, l'utiliser en paire, il va falloir un 4 ou plus. Et un 6 plus là aussi, à mon avis, il y a une petite explication ici qui va expliquer ce que ça fait. Ça, c'est la portée. Donc 1, en général, c'est quoi ? C'est le corps à corps. 2, 3, c'est le nombre de cases de distance, et 4 plus. Donc la portée est illimitée, mais vous voyez que les effets seront plus ou moins violents en fonction de la distance. Donc par exemple, quand on tire à plus de 4 cases avec des pistolets, on va acheter des dés à 6 faces plutôt que des dés à 8 faces. Ok ? Quelques petites règles spéciales pour les armes qu'on va voir en cours de partie. Et ensuite, chaque personnage a des règles spéciales. Réseau de cerveau-crâne de ciblage, on va lire par exemple celle-ci. Si Angèle effectue une action d'arme avec visée, toute autre action d'arme qu'elle entreprendra à cette activation ignorera aussi les couverts. On va voir, il y a des couverts sur certaines cases de la map. Ensuite, deuxième règle spéciale, plus vite que son ombre,
lorsque Angèle, je vais dire ça plutôt que Neyan, Shai, Mourad, termine une activation avec des dés restants pour en faire des dés d'alerte, ne retirez pas les dés avec un score de 1, ni ne réduisez la valeur des dés restants. Donc ça, c'est pas mal, on va voir l'état d'alerte. Et ensuite, chaque personnage a des intentions secrètes. Donc, est-ce que tu veux qu'on les dise, Angèle, ou pas, toi? Non. C'est-à-dire tout le monde. Lors d'une expédition, tuer trois hostiles avec une unique action d'arme, paire de pistolets négociateur. Donc, si tu fais ça, tu vas te transformer en Super Angèle. D'accord. Chaque carte a une version à sa face de base et une face de super pouvoir. Donc, ça, c'est la face exaltée. Et donc, tu es exalté quand tu atteins ton intention secrète ou que tu récupères trois points d'exaltation. On va voir ça aussi en cours de partie. On est bon, les gars? Allez, c'est parti. Ouais, ok. Alors, le premier point important, c'est qu'en fait, on a pris les cartes de chacun des personnages et des différents groupes de styles. Je les ai mélangés et maintenant, en fait, on va les mettre sur la piste pour savoir qui va s'activer en premier. Ouais. C'est une phase assez importante parce qu'à ce moment-là, tous les aventuriers que nous sommes, si en fait on sait en ligne de vue, on peut décider d'intervertir nos places ou encore utiliser finalement... Ou alors utiliser finalement une action, un de nos dés pour faire un jet d'agilité pour essayer de prendre... Initiative. Ok, j'ai mis toutes les mauvaises cartes initiative. Bravo, quel bel exemple. Il n'y a que des personnages qui jouent pas. T'avais créé c'est ta magnifique. Pile et t'as pas. J'ai pris l'autre. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est bien fait. Ah, 3, oula. Donc là, vous voyez, dans l'ordre d'activation, il va y avoir le groupe 3, le groupe 1, et ensuite, c'est les personnages d'Angèle. Tout le monde nous. Ouais. Allez, c'est beau. Momo, donc, ça va être chaud. Le 2, Momo et Néo. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on peut très bien faire un jet d'agilité. Ça va nous coûter un dé. Vous allez jeter votre dé d'agilité. Si vous faites un jet simple, une réussite simple, vous allez pouvoir intervertir avec une carte d'hostile à côté de vous. Ouais. Si vous faites un critique, vous allez pouvoir intervertir avec n'importe quelle carte d'hostile. Typiquement, Neyam, toi, Angèle, t'as une très bonne agilité. Si tu voulais passer en premier, tu pourrais. Là, les hostiles sont assez loin. Je vous propose de laisser tourner comme ça et voir ce que ça va donner. Ouais. Pour voir le début. Ouais. Voilà. Du coup, après, on sait en ligne de vue. Si vous voulez juste que je vous montre, je peux m'activer en premier. À la limite, on peut switcher, toi et moi, Angèle, juste pour que je vous montre comment jouer, en fait. Tu valides ? Oui, je valide. Du fond de ton... D'accord. Allez, zou. Donc là, on sait en ligne de vue. Je switch. Et voilà. Je suis le chef durant ce tour, on va tourner ensuite. Mais du coup, c'est moi qui vais, on va le faire tous ensemble, mais qui va activer les groupes d'hostiles. Le groupe d'hostiles 3, c'est le Spindle Drone tout seul. Ouais. Et là, en fait, au dos de sa carte, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il est caché, puisqu'il n'a aucune ligne de vue sur un explorateur. Donc on va prendre la première case et on va jeter le dé de sombre roche. Je te laisse le jeter, Morgan. Donc, il fait un 2, il fait attendre. Donc là, il va rien faire, il va se contenter d'attendre. Il faut savoir que plus le résultat est élevé sur le dé, plus le style va être agressif. Agressif, ouais, bien vu. Donc, ça, c'est un très bon jeu. Ça, c'est ça. Le groupe de style 1, c'est toujours des Spindle Drones, ça tombe bien. Là, ils sont pas cachés, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas à couvert. À couvert, c'est en fait quand il y a une ligne blanche devant eux, hein, tout simplement. Ils ne sont pas proches, donc ils sont autres. Donc là, de la même manière, alors nous, on ne va pas faire le jet pour chaque figurine, mais pour chaque groupe de figurines sur une case pour fluidifier le game. D'accord, parce que normalement, tu les fais de façon... C'est un par un et c'est assez laborieux. Donc, donc là, on a dit autre, 18. Donc 18, ça va être avancé. Ils sont vénères, et avancé, c'est assez simple comme effet, puisque ça va permettre à la figurine de se déplacer vers l'explorateur le plus proche, puis attaquer l'explorateur le plus proche, visible et à portée. Donc, ils vont avancer de 2, puisqu'ils bougent de 2. Donc là, on va les faire avancer de 2. Et ensuite, ils vont attaquer l'explorateur le plus proche. On va dire que la première attaque du premier sera pour moi, et la deuxième sera pour toi. Bon. Ah, parce que ça tire, ces trucs-là. C'est ça. Ça tire. Ça tire à foison. Donc là, ils sont 1, 2, 3, 4 de portée. On commence avec un niveau de menace de 0. Alors, le niveau de menace peut augmenter au fur et à mesure. Il augmente de 1 si le résultat alerté est obtenu. Ou si on détruit un Spindle Drone. Donc là, en fait, à portée 4+, ça va être des dés carrés. Donc, Morgan, tu vas jeter un dé carré.
ça va être l'attaque que tu vas faire avec le Spindle Drone. Et moi, je vais jeter un dé carré pour l'attaque que je vais faire sur ton bonhomme. Ça te va comme ça? Moi, je tape le, toi, je te tape dessus, toi, tu me tapes dessus. Ouais, c'est bien comme ça. On se répartit les rôles. C'est un peu confus, mais. Vas-y, d'accord. Allez. Et après, on aura le droit, chacun de nos persos aura le droit à son jet de défense. Donc, allez, mot attaque. Moi, je fais rien. Moment, et Momo attaque mot. Et ben, rien chacun. Cordial. C'est beau. C'est beau. Bravo, les gars. Donc là, on a activé le deuxième groupe de style. Ça va être du coup à moi de jouer. Attends, on va juste préciser un truc. Donc, une face vierge, c'est rien, comme vous avez pu le comprendre. Une face avec un triangle, c'est une touche. Et deux triangles, c'est un critique. Voilà. Donc, pour annuler ça, il aurait fallu faire un jet de défense avec soit une touche, soit un critique en cas de critique. En sachant que l'on a tous des dés de défense différents en fonction d'eux. Donc, du coup, c'est moi qui vais m'activer en premier. Moi, une de mes intentions secrètes, c'est de tuer un Spindle Drone avec une action d'arme pince énergétique au cours d'une expédition. Donc, je vais essayer. Le seul problème du robot, c'est qu'il a un mouvement que de 1. Du coup, et mes dés de 4+, vont me donner un mouvement de 2. Donc, il va me falloir mon 4+, pour bouger, d'accord, de 2 cases. Il va me falloir mon 2+, pour bouger de 1 case. Ouais. Et ensuite, il va falloir mon 6+, pour mettre un coup de pince énergétique. Sachant que je pouvais le faire aussi avec un 1+. Ouais. Est-ce que vous m'accordez de prendre le 2+, qu'il y a là? Oui. Vas-y. Tout le monde est OK? Ouais, c'est moi le chef. Pour le moment, je. Ah oui, c'est. Non, bah, oui, enfin, oui, c'est pas pour les autres. Oui, mais non. C'est toi le chef. Donc là, la pince énergétique, c'est 2 dés triangles. Ouais. Et là, en gros, les Spindle Drone, ils ont 2 blessures. Donc si je fais un critique, c'est l'équivalent de 3 blessures. Si je fais une blessure simple, c'est l'équivalent de 1 blessure. Donc là, je fais. Oh, 6 dégâts, tu le coupes en 2. Il faut savoir que justement, on ne conserve qu'un seul, que le meilleur résultat des jets de dés. Ah, donc oui, là, je lui mets que 3 dégâts, mais ça suffit à le détruire. Du coup, je résous mon intention secrète, donc je retourne ma carte. T'as d'entrée de jeu, lui. Alors, ouais, il a, j'ai de la chance, mais c'est vrai qu'on ne tombe pas forcément sur des Spindle Drone sur nos combats. Sachant que l'exaltation ne dure que la durée de l'exploration. D'accord, ok. Donc, juste un petit détail. On doit faire quoi, là? Notre objectif, comme je l'ai dit au début, ça va être de venir, en fait, sur les spots de pop. Ok. Ouais. Et c'est ici, avec un dé qui, donc un dé d'activation de 4+, on va pouvoir fouiller. On ne peut fouiller qu'une fois à chaque spot. Et en fait, en fouillant, on va essayer. Notre objectif, finalement, c'est de trouver un maximum d'indices pour réussir ensuite à débloquer l'accession. Il faut vraiment qu'on fouille les trois. Alors, on n'est pas obligé. Ok. Quand on veut, on peut se mettre à côté d'une zone comme celle-là et apporter un ascenseur à sustentation qui va nous permettre de nous barrer. Donc ça sert à rien si on voit qu'il y a trop de danger de rester. On peut tout à fait partir et continuer l'exploration. Et il suffit qu'il n'y ait qu'une seule personne ou on se barre un par un? Non, il faut qu'il y ait tout le monde. D'accord. Et on n'appelle qu'une seule chambre. Donc il faut être assez. Voilà. Faut se mettre à corps parce que certains d'entre nous bougent moins bien que d'autres. Ouais. Alors, juste pour la forme et pour finir, je vais essayer de tuer lui quand même avec mon 6. Ouais, vas-y. Par contre, bah, je vais tenter. Par contre, là, cette fois, c'est comme je suis exalté, en fait, ça va être des dés comme ça qui ont beaucoup plus de chances de réussite. Ouais. Donc, quand j'ai un critique, je l'éclate aussi. Quand on a fini une activation, en fait, on va quand même pouvoir jeter un dé pour voir si on gagne un point d'exaltation qui va nous permettre de relancer un dé ou autre. Ouais. Donc 4, c'est tout pile ce qu'il faut, puisque j'ai infligé 4 blessures en tout et pour tout. 1, 2, 3, 4. Et en fait, il fallait que je fasse 4 ou moins. Donc je prends un pion d'exaltation. Ah, bien. Donc je ne sais même plus si on en a encore. C'est sûr. Bah, c'est pas grave, je vais me mettre un petit token en attendant. Ça fera le taf. Ça fait quoi les pions d'exaltation alors? En fait, tu peux. Alors avec un pion d'exaltation, tu peux. Relancer un dé d'action avec deux pions d'exaltation. Tu peux tenter une manœuvre sans dépenser de dé d'activation. Une manœuvre, c'est de changer sa place. D'accord, okay. Avec trois points d'exaltation, tu peux effectuer une action fouillée dans une case dépourvue de marqueur découverte. Donc, sans qu'il y ait ça, c'est pas mal, ça. Ça peut être utile. Et pour trois points d'exaltation, tu peux aussi t'exalter. Tu les défausses, mais tu t'exaltes. Tu retournes ta carte. C'est ça. Donc, t'es plus puissant. Oui, okay, d'accord. Ouais. Faites attention parce que malgré le fait que j'ai tué un groupe de style, celui-ci peut revenir quand ce sera à son tour de s'activer au prochain tour. Donc, d'accord, là, donc ça repop, en fait. Ouais, ça repop. Donc là, je laisse Morgan jouer. Ça va être un Morgan jouer. Ok. Ça peut repopper, c'est pas donc systématique. Moi, j'ai deux mouvements. Donc, j'utilise un 2 pour faire un 2.
utilises un 3. Je t'interromps vite fait, on va jouer avec les règles. Donc là, tu fais un 2, tu peux arriver que là. Ici, c'est un mur, donc tu peux pas passer en fait. Okay. Ah, il y a un rouge. Ouais. Ok, donc j'utilise un des 2. Fais gaffe à pas trop t'engager tout seul, hein, peut-être. Je sais pas. En lui, il va se ramener. Non, mais il est protégé par le mur là en attendant. Ouais, mais là. Ouais, quoique après, tu peux faire une. Je sais pas ce que tu peux faire pour. Ouais, je fais 5, pardon. Alors, ça fait quoi ton 5 ? C'est juste un mouvement. Ouais. Okay. Ah, il a déjà joué en plus le spindle round. Il a déjà joué lui. Ouais. Ouais, il s'est déjà activé, donc oui, tu peux le fumer en fait. Et avec le 6, je fais une avancée tailladante qui me donne 2 actions de combat. Ah bah. Et à chaque fois, je peux avancer, mais ça me sert à rien. Bah, est-ce que tu peux avancer après l'avoir détruit ? Parce que ça serait intéressant. Ah bah. Tu peux pas ? Non. Non, ça me permet. Godefroy de Monde peut effectuer 2 attaques et vous pouvez déplacer Godefroy de une case vers l'hostile le plus proche et visible de lui avant de résoudre chacune des attaques. Ah, ah ouais, mmh. Ok. Bon. Donc, en attaque, c'est des triangles. Des triangles. Tiens, c'est combien de 2 ? C'est 2. Donc, tu peux faire 2 actions d'attaque. Je vais jeter où ? Elle est où la caméra ? Là. Là, c'est bon. Ouais. C'est là où il y a l'action. Donc là, un dégât. Non, un dégât. Donc, vous pouvez lui mettre un petit marqueur dégâts et il a 2 points de vie. Et la deuxième attaque. Bim ouais. Un critique. Donc là, il est mort. On le met de ton côté. Il est mort, ouais. Ce qui est donc dommage, voilà. En fait, c'est que bah, du coup, j'aurais peut-être dû laisser un dé ici parce que ça t'aurait permis d'avancer et de fouiller ici, comme ça, ça aurait été fait. Ouais, c'est pas grave, c'est pour le prochain tour. Si on utilise D5, il y aurait pu, non ? Bah là, oui, mais là, pour avancer. Il avance. Ah, il faut être sur la case. Donc voilà, je jette mon dé pour voir si je m'excite. Si tu t'exaltes. Si je m'excite ou pas. Non, pas d'excitation. Fin de tour. Ouais. Ah, ensuite, c'est à qui ? Au groupe de style 2. Alors, ouais. Eux, ils sont assez violents parce qu'ils ignorent les saves. Donc, on va voir tout de suite ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un peut jeter le dé de sombre roche ? C'est le dé noir, là. Donc là, ils sont cachés. 7. Donc, le 7. Premier groupe, il va charger. Donc, charger, c'est se déplacer vers l'explorateur le plus proche, puis attaquer un explorateur adjacent et visible. S'il n'y en a pas, se déplacer une seconde fois vers l'explorateur le plus proche. Sachant qu'il se déplace de 3. Donc là, ça va faire 1, 2, 3. Oh, et du putain, coup, ils vont te charger. Faire 1, 2, 3. Donc, ils ne m'attaquent pas puisque je n'étais pas au contact lors de leur premier mouvement. D'accord. Donc, je vous le relis. Hein. Ouais. Charger. Se déplacer vers l'explorateur le plus proche, puis attaquer un explorateur adjacent et visible. Ouais. Donc là, ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont. S'il n'y en a pas, se déplacer une seconde fois vers l'explorateur. D'accord. Donc d'accord, là, les mecs, il faut me sauver de ces deux, parce que je suis vraiment sensible à l'électricité. Mmh. Ah, d'accord, ok. Donc, jeter une deuxième fois le dé pour le deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, quoi. Un, c'est recharger. Recharger, retire un pion blessure de négavolt du cultiste. Si le négavolt n'a aucun pion blessure, traitez ce résultat comme un résultat avancé à la place. Avancer, c'est se déplacer vers l'explorateur le plus proche. Puis... attaquer l'explorateur le plus proche à portée et visible. Ils ont combien de mouvements ? 3. Ils ont 3 de moves. Non, t'as passé un mur. Voilà, ils n'ont pas d'attaque à distance. Ils n'ont pas d'attaque à distance. C'est que du corps à corps. Par contre, au corps à corps, ils font assez mal parce qu'ils ignorent les. T'as pas de jet d'armure. Hein. C'est ça. Ensuite, c'est à qui de jouer ? C'est moi, Angèle. Allez, c'est parti, Angèle. Fais-nous un carnage, s'il te plaît. Je dépense un dé. Je fais un mouvement de 2, du coup. Ouais. Et puis, bah, je dépense moins 4 pour lui retirer dessus. Nickel, c'est parti. Du coup, j'ai fait 2 attaques. 2 attaques avec quoi comme dé ? Avec 2 dés violets. 2 dés violets. Ah, c'est la paire de pistolets là, c'est ouais. Ça ? Ouais, je fais beaucoup plus ces paires de pistolets. Ouais, c'est parti. Allez, fume-les, Angèle, fume-les ! Bim ! T'en tues un, parce qu'ils ont chacun 2 blessures. Ça, c'est fait. Ensuite, tu vas faire la deuxième attaque. On se retire. Ouais. Bim! Ah putain, ça, la violence! Voilà, ça s'est fait. La violence des jeunes aujourd'hui. Fait. Après, si tu veux. Ouais, pendant que j'y suis, attends, je vais. Bah, attends. Ouais, carrément, je. Du coup, t'en qu'à faire. Une, deux. Là, tu les as en de vue. Angèle, t'es sûr que tu te mets. Bagdad. T'es sûr que tu te mets en face d'eux comme ça? Ouais, bon. Je me mets en face d'eux. Si tout le monde est d'accord, on peut lui laisser le dernier dé en plus. Toi, tu vas rien en faire, bah, moi, je suis un soutien en fait, je tape pas très fort, je trouve. Ouais, non, mais de toute façon, tu vas rien faire d'autre. Ouais, vas-y, bah tape-toi. Donc déjà je tire dessus, on va voir ce que ça fait. Oui, le premier, rien. Oh nul. Deuxième tir. Ah, ouais, c'est mieux déjà. T'en tues un. Que je retire du coup. Bah oui. Oui, prends le dé. Ok, le dé. Voilà, tu faire... Non, mais tu es sûr que tu peux faire deux fois hein. Bah, je peux faire autant que j'ai le dé. Hein. Ouais, mais tu jettes deux dés à chaque fois là.
Mais oui, c'est, bah c'est tant que j'ai 4 ou plus. Tant que 4 ou plus, et si c'est un 6 ou plus, je peux le faire 3 fois. Waouh. Bah c'est, il y a que comme ça qu'il peut s'exalter en fait. Bah ok, bah bim. Putain, le nettoyage, c'est bon. Oh, tu les as. Donc maintenant tu jettes un dé pour voir. Enfin oui, quand en fait quand il. En fait, si tu les avais pas tués, ça aurait été pénible. Elle est violente, elle. Ouais. Du coup là, donc, j'ai. Tu jettes le dé et t'as 8. Donc 8 ou moins. Ok, je mets. C'est bon. Ouais. Là, prends... Non, tu t'exaltes pas, tu prends. Enfin, oui, je vais prendre l'exaltation. Donc là, on a fini l'activation d'Angèle. On va passer à ton activation, Néo. Okay. Moi, je peux peut-être aller fouiller quelque chose, non? Ben, faut voir avec ton move. Je bouge de 2. Bah, je devrais pouvoir y arriver. Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ben ouais, mais après, bah, vas-y. Alors faites juste attention. Et en face, là-bas, là, si tu vas à côté, celui à côté de moi. Ah oui, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, t'arrives là. Donc 7, t'arrives là. Mais en même temps, autant que tu viennes là, comme ça, tu seras déjà présent pour le prochain tour. Okay. Faites attention à un point. C'est que si jamais ça repop, les créatures, elles spawnent sur le portail qui est le plus proche d'un explorateur. D'accord. Donc, typiquement, si tu te mets là, bah, ce sera toi le plus proche d'un portail avec. Donc on pourra répartir. Il y a Momo aussi. Mais pourquoi il n'y en est pas là? Bon, elle a du corps à corps. Hein. Elle est, elle est bien au corps à corps en fait, c'est ça. Ouais. On part popper partout les mecs. Non, il ne viendrait pas là pour prendre celui-là. Moi je prends celui-là. Bah, les deux me vont, mais là c'est vrai que au final tu bouges comment? On bouge tous de 1 ou 2. Et juste toi qui est un peu lent. Bah, je vais utiliser mes 4 dés du coup pour faire celle de mouvement. Et tu rush, Tac. Et puis je te mets dessus, comme ça t'es prêt pour le prochain tour. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, là on a fini un tour. Donc on va jeter le dé pour voir sur le tableau d'événements ce qu'il se passe. Je te laisse jeter le dé, Morgan. 10. Donc 10, conditions changeantes. Piocher une carte rencontre. Si celle-ci a un impondérable, il s'applique pour le restant du combat. Donc là, je pioche une carte rencontre. Et, ah, pas de couvert. C'est un impondérable qui est ici. Ignorer les arêtes de couvert lors de ce combat. Okay. Donc là, on va l'appliquer. Donc on ignorera les couverts. Ce qui nous arrange plutôt. Toujours du coup, non ? Pour ce combat-là seulement. Les couverts, c'est les lignes blanches. C'est les lignes blanches, c'est ça. Il n'y en avait pas beaucoup sur cette partie. Ça ne va pas grandement changer la donne. D'accord. Je te laisse, à la limite, il y en a un de vous qui va mélanger ça. Parce que moi, je suis une bille en mélange. Et on est bon, sinon. Ça se passe plutôt bien. Alors, ce combat-là est très simple. Enfin, par rapport à... On peut avoir 4 zones de pop différentes. Les maps peuvent être beaucoup plus grandes. Mais c'est pas mal de commencer par un combat simple, en fait. Par contre, vous n'avez pas de soigneur dans la team. Non, pas de soigneur. On jette les dés. Si je te laisse les... Ils ont pris que des... Alors, jetez vos dés d'action, les gars. Ouais. Pour le nouveau round. Et moi, je vais placer la pile d'initiative. Sachant que moi, je peux donner des jets. En fait, mon personnage, en tant que psycheur... Il peut échanger mes dés contre les dés d'autres personnes qui ne les ont pas encore utilisés. Donc je peux vous donner des bons jets. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien ton 1, Néo. Je le tiens, tu peux jeter les. Tu peux jeter les 4. Tu sais que c'est moi qui choisis, Angèle. Donc t'es alors, moi, je peux jeter les dés noirs aussi. Néo, ça va être toi qui vas être chef ce tour. Ouais. Parce que je sens qu'il faut te responsabiliser un peu. Ouais. Donc tu vas jeter les dés et tu vires tous les doubles. Donc essaye de ne pas faire de double ou de triple. Bah ça tombe bien parce que mon arme secrète en plus, c'est d'obtenir que des 5. Donc ah si oui. J'ai pas de double en plus, si tu as réussi à faire une suite, vous, c'est royal. 1, 2, 3, 4, 5, putain, il a fait la suite. Tu t'exaltes en plus. Allez, allez. C'est vrai? Ouais. C'est son intention secrète. Si tu fais une suite? Ouais. Ah, c'est ouf. Pas de faire une suite, mais d'avoir que des simples. Ouais. Je suis plus fort que des Yams. Oh putain. Ouais, bah je m'entraîne aux Yams. Laisse tomber la partie, on se balade. En fait, la forteresse est tenue déjà, je crois. Ouais. On est un peu chez nous. Alors, vous regardez la phase d'initiative, et là, il faut réfléchir entre nous à, en fait, est-ce qu'on essaye de changer les choses par rapport à comment ça se précise là. Donc, en premier, il va y avoir le groupe de style 1, donc on va être fixé à savoir si ça repop ou pas. Ouais. Ensuite, ça va être à Neyam de jouer. Donc, Neyam, le problème, c'est que là, du coup... Elle va pouvoir jouer, mais derrière, le groupe d'hostile 2 s'activera. Donc, il faudrait peut-être mieux... Ouais, je ferai d'abord jouer après le groupe d'hostile 2. Voilà, je suis d'accord pour savoir, pour être fixé. Ensuite, il va y avoir le groupe d'hostile 3
Donc toi, tu vas peut-être prendre Bagdad. Alors, à vous de me dire si vous voulez qu'on essaye de faire des tests d'agilité pour changer. Mais ça va nous coûter un dé à chaque fois. Non, vu mon agilité, je ne préfère moi, pas. Ça enfin, moi, ça ne me dérange pas d'être en dernier. Si vous, est-ce que vous voulez que je vous passe des dés, en gros? Parce que le but, c'est que je joue avant vous, en fait. Pour l'instant, j'ai été tu en dernier. Tu es en 1, pour faire des tests d'agilité. Après, moi, ça ne me dérange pas d'être... Ah, tu verras bien aussi, Néo, en fonction du 1. Si ça pop, tu peux ouais. potentiellement avoir besoin de t'aider. Hein. Ouais, après, c'est du 3+, maintenant que je suis exalté... Ouais, mon bâton de force. Ouais, donc tu peux taper plus facilement. Ouais. Ouais. Non, moi, bon, je, on, moi laisse comme ça, ouais. on laisse comme ça. Pour le moment, pour moi, c'est pas mal. Okay. J'ai juste des dés de merde, c'est vrai, mais. Ouais, comme tu le sens. Ça va te chiner tes dés. Bah ouais, c'est le but en fait. Hein. Bah après, il y en a pas mal ici, donc. Ouais, comme tu le Parce sens. Parce que toi, comment ça se passe pour l'échange de dés? Explique-moi. En gros, c'est sur du 1 ou plus, donc avec n'importe quel dé. Je peux choisir des dés d'activation inutilisés d'Aradia Madelan, donc mon personnage, et ses échanges avec des dés d'activation inutilisés d'une valeur inférieure se trouvant sur la carte d'un autre explorateur. Donc je donne des bons jets et je les remplace par des mauvais jets pour moi. Putain, c'est beau, t'es l'abbé Pierre de l'espace. Ouais, mais par contre, ça c'est quand tu t'actives je sais pas, c'est une des actions uniques. Des actions, donc ouais, il faut qu'il joue avant. Bah alors dans ce moment-là, il faut que tu joues avant. Donc moi, je suis en ligne de vue. Ouais, bah voilà, c'est changer ce que, nos places. C'est ce que je disais en fait. L'idée, c'est qu'on puisse échanger. Toi, tu veux jouer en premier ou le plus tard non, possible? Non, je préfère jouer après. Le plus tard possible. Donc pas à la fin, ça tire. Plus tard, mais oui. Ça... Ok, bah on va. Vous êtes en ligne de vue, donc j'échange vos places. Ouais, okay, très bien. Voilà. Donc c'est là où il faut être. Voilà, faut la jouer intelligemment, mais. Donc là, du coup, c'est toi. Non, c'est le groupe 1 qui va quand même jouer en premier. Ouais. Est-ce qu'ils vont spawner? Alors, ils spawnent sur du 1, 2, 3. Et ils spawnent pas sur au-dessus de 1, 2 ou 3. Ah, bah là, si on veut augmenter la difficulté, on fait de 1 à 6. Non. On fait difficulté normale Difficulté normale parce que, en fait, c'est une expédition. Donc, vous gardez vos blessures d'une partie. Oui, voilà. Alors, on va faire la normale. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est 1, 2, 3? Oui. Allez, jette le dé. Ouais, c'est moi qui suis sur la case. Si jamais je suis 1, 2, 3, c'est mes emmerdes. Ouais, c'est ça. Alors. Je pourrais t'en prendre qu'à toi. Ouh! Sur un bord, c'est pas critique. Réussite critique. Le vaisseau explose. Donc, rien ne se passe. Donc, là, tu vas pouvoir t'activer. Ouais. Donc là, je te propose qu'on s'échange nos dés. Bah voilà, c'est ça. Regarde, je peux te passer les 3-5. Parce qu'en plus, il n'y a personne qui spawn. Non, je t'en prends que 2. Fouiller, ça ne demande pas des bons jets. Ça demande des 4 plus quand même. Il faut que tu gardes un 5. Moi, je peux en prendre plusieurs. Tu gardes un 5 pour fouiller. Ouais. Parce que ça te coûte un 4 plus quand même. D'accord. Fouille, Néo, fouille. Et du coup, ça te coûte quand même un dé de faire l'échange. Ça te coûte quand même un 1 plus. Ah oui, voilà. C'est écrit. Mais avec le 4, avec le 5, tu peux fouiller par contre. Voilà, bah du coup, je vais faire ça. Tu claques ton 5 et tu prends une carte découverte. Parfait. Voilà, tu peux la dévoiler. C'est un secret, je deviens l'ennemi de toute l'équipe. Ce serait pas mal de faire ça. Archéotechnologie, ça va pas l'air. D'une valeur de 1. Non. Donc, c'est ça, en fait, quand on va aller à précipice, tu pourras faire du troc pour avoir des items en plus. C'est un truc nul, non? Parce que. Non, c'est pas mal. Tout est bon à prendre en fait. Ok. Vas-y, c'est bon ça. Donc, ce spot-là, il est fouillé. On peut l'enlever, c'est ça? Non, on le laisse parce que. Ça peut spawner. On peut respawner. D'accord, enfin, ok. Je sais qu'il précise pas qu'il faille l'enlever, en tout cas. Donc, ensuite, c'est le groupe 3. On va voir si ça respawn, là. Vas-y, Néo, c'est toujours toi le chef pour ce tour. Ouais. Donc, toujours 1, 2, 3, ça respawn. Enfin, tu le veux pas? C'est qui? C'est Momo? Non, c'est toi. Vas-y. C'est toi le chef de ce tour, c'est toi qui jette les dés. Oh, 1-3. 1-2-3 pour des petits socles. C'est des socles. Il y en aura 2 qui vont respawn. Donc là, il va se taper 2 créatures qui vont respawn ici et qui vont tout de suite lui tirer dessus, du coup. Oh, putain, pas grave, ça va t'as couvert, t'as couvert. Ah non, il n'y a pas de couvert. Alors, il faut savoir que le niveau de menace pour un combat commence à 0. Il augmente de 1 si un résultat alerté est obtenu. De plus, chaque fois qu'un spawn a le droit d'être tué, le niveau de menace augmente de 1. Donc on en a tué 3. Donc le niveau de menace est de 3. Oh, en niveau de menace 3, quand ils arrivent à 2 ou 3 cases, comme c'est ici, ils ont un hexagonal. Donc Néo, c'est toi qui vas jeter les dés. Tu jettes 2 hexagonales. C'est toi le chef. C'est toi qui fais les hostiles. C'est pas moi le chef. En fait, on tourne. C'est le premier tour, c'était moi. Ah, ça va être chaud là. Et ça, c'est quoi? C'est par perso? C'est chacun tire une fois. Donc, tu prends un critique, un simple. Toi, t'as quoi en défense? J'ai un losange. Un losange aussi? Bah, tu fais la même chose. Attention, ouais, il faut qu'il lance séparément. Il les a lancés en même temps. On va le laisser lancer en même temps. Oh là là, c'est cheat. C'est du cheat. Vous savez que sur les dingues de jeu, on se doit d'être exemplaire. Mais on les regarde. Il annule une simple.
Bon. Donc il prend un critique. Un critique, ça va être un peu chiant. Parce que, en gros, tu vas mettre une blessure grave en enlevant un de tes dés les plus élevés. Ouf. Et cette blessure va pas être soignable. À moins de remonter à précipice. C'est-à-dire de finir les 4 cartes exploration et de remonter à précipice pour faire du troc, te soigner et repartir sur de bonnes dés. Je crois que tu vas mourir. Donc ça, c'était qui? C'était le groupe 3. J'ai fait des conneries. Ça y est, c'est activé. Groupe 2. Ouais, tu vas jeter le dé de nouveau pour voir si ça pop. Agnus, tu refais encore un tour. Ah bah c'est bon. Ensuite, ça va être à moi de jouer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je vienne aider là? Ou non, toi, tu vas t'en sortir, tu vas prendre et tu reviens vers nous? Donc moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est bouger là et appeler la chambre de sustentation. Ouais, ok. Ou alors bouger vers là-bas. C'est attends, moi, sinon, déjà, dans ta je peux y aller. Va aider que là, moi, je vais ouvrir là-bas. Aider, ça va être la... Je peux l'appeler là et toi, tu vas là-bas et tu reviendras. Ouais, ouais, ouais. Ok, on fait ça. Donc, pour un 4, je vais pouvoir bouger de 2. Pour un 5, je vais pouvoir bouger de 2. Et pour un 5, j'appelle la chambre de sustentation. Okay. Hop, on l'enlève de là, on la met là. Ascenseur, s'il vous plaît. Voilà. Ascenseur, ascenseur. Et aussi notre autre alternative, c'était de revenir. Je vais prendre un dé ici. Non. D'accord, ok. Non, on peut pas. Donc, je vais prendre un dé de la réserve, parce qu'il y en avait 5 quand même, tant qu'à faire. Et je vais me mettre dedans, comme ça, c'est fait. Ah ouais, et là, Momo, tu ne pouvais pas dépenser des dés noirs? Ici, on ne peut en faire que 2 maximum. Il ne pourra en utiliser que 2. Il loot le truc. D'accord, ok. Il faudrait voir qu'il récupère. Tu le récupères et là, c'est à qui de jouer du coup? Ah, mais c'est bon, c'est à toi. Alors, je vais faire une avancée tailladante. J'aime cet homme. Il avance, il taillade. Et je taillade. Là, c'est normal. Pourrit leur la life. T'as 2 dés, c'est comme ça. Ils t'ont fait mal, rappelle-toi de ça. Non, mais fume-les, fume-les. Allez, bim. Allez, un dégât, c'est bien. Un dégât. Les dégâts sont là. Deuxième attaque. C'est une jolie façon de dire que c'était nul. Ah, c'est pas mal t'en tue hein, déjà. Ok. Et dernière attaque. Je prends un 5. Tu prends un 5, vas-y. Pour refaire une avancée taillante. Allez, fume-le. Bon, tu sais que c'est pas l'objectif du game, hein, mais bon. Je peux comprendre que t'es des trucs ils vont courir après. De toute façon. Si, t'es bien. Allez, allez les morts. Tu perds le truc. Avec le 4, tu peux fouiller. Je fouille. Vas-y, pioche. Un parchemin perdu. Ça, c'est bon, ça. Intention secrète de Rhin. De Reinenros. De Reinenros. C'est deux gars qu'on joue pas. C'est les deux petits squats, justement, dont on parlait. Ah ouais. C'est les petits ratlings, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Ça leur permet de s'exalter. Tu peux la montrer, la carte, parce qu'en fait, on la voit pas. Et du coup, alors, ou tu peux l'utiliser comme une ressource qui va te donner 3. Putain, pas mal. Ou tu peux, en fait, quand tu remontes à précipice, s'il y a d'autres joueurs qui jouent Reinenros, tu le croques avec eux. Donc la garde. Parce que ça leur permet de s'exalter. C'est ça, sachant qu'elle a quand même une valeur de 3. Donc même toi, tu peux quand même la dîner. Ok, bon, 3, je rentre à ma maison. 1, 2, j'utilise un autre dé. Ouais, pour les dés, prends le 2. 1, 2. Ouais, et puis là, tu peux plus prendre 2 dés. Donc là, tu attends. Là, t'es bon. Ok. Ensuite, c'est à qui? C'est à moi. C'est à toi. Du coup, bah, un dé, je fais... 1, 2, un autre dé. Tu vas t'en faire 3. 1, 2, bon, encore un autre dé après. Ouais. Et je fouille avec le 6. Je prends un 6, ouais. Bah vas-y, pioche. T'as le bras long. On est tac. Bon. Il a un chronomètre en fait, empirique. Merde, intention secrète de Janus Drake. Non, on le joue pas encore, mais. Bah, voilà. C'est l'équation de Drake. Non, ce qui serait bien. Oui, ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait, des indices si on veut se faire un bastion un jour. Là, je vais prendre les deux derniers dés. Là, pour faire, c'est quoi l'équation de Drake, Néon? Bah, c'est toi qui dois expliquer. C'est le nombre de planètes habitables dans le système solaire, non? C'est pas ça. Pas dans le nom, dans l'univers. C'est les tours sur Mars. On est bon? C'est ça aussi. On a fini le tour. Fous-toi de ton du père. Coup, on va faire l'événement de fin de tour. C'est toi le chef encore, Néo. J'ai le dé. Ouais. C'est moi le spécialiste en ovni. 15. Tu fais 15. Exactation. Le chef choisit un explorateur. Donc on va dire que tu peux pas te choisir toi-même. D'accord. Cet explorateur reçoit un pion d'exaltation. Oh, bah c'est nul. File-le moi, Néo. Maintenant, tu peux le filer après ce que tu m'as fait. Vas-y, Momo, vas-y. Après ce que tu m'as fait. On va te l'enfoncher jusqu'à la fin de jour. T'as vu ça? Hey, j'ai pas jeté mon dé parce que j'ai m'excité d'ailleurs. Ah oui, d'accord, fais-le. Les deux créatures. Je te signale que t'es son parrain, Momo. Ouais, c'est bon ça.
Bah non. Bah si. Non, ça passe pas. C'est 4. C'était 4, il a fait 5. Ah, dommage. C'est ça, mais c'est bien de l'encourager, c'est bien de l'encourager. Ça compte pas sur ceux que t'as tués avant. Non. Dans l'historique, merci. Je sens que tu vis mal. Ta life. Ta life. C'est toi le chef à partir de maintenant. Ah putain, j'ai mis. Néo, t'as jeté le dé, c'est bon. Et ouais. Bah, nouveau tour. Ah du putain, coup, j'ai plus 3 dés. Je veux bien, Néo, que tu mélanges cette carte, la pioche d'initiative. Toi, je veux bien que tu jettes tes dés. Fais-nous la grande suite. Et toi ? Ouais. Oh oui. Ah putain, ouais, pas mal. Encore mieux, même. 1, 3, 4, 5, 6. C'est encore mieux, ouais. Tu te réexaltes. Ah. Donc tu redeviens une crevette. Tu te désexaltes. Non, mais c'est quand tu les jettes toi, en plus, les dés, non ? Non. Putain, enfin, c'est putain. Les jets de destin. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est bon, t'as mélangé ? T'as vu comment je suis sympa ? Attends, ouais, je suis encore en train de mélanger. Bah, pour le mystère. Tu peux le faire pas en dessous de la table, parce que t'as 5 qui est temps. Comme ça, personne. Ah, non. Non, bah, c'est vrai, on ne sait jamais. Chaque minute compte. Allez, vas-y. Alors, tiens, il y a un petit peu. Ah, super, ouais. Ça sert à... Si. Bah si, c'est bien. Ok, j'ai joué après tout le monde, quoi. Allez, bien fait. J'ai joué en dernier round. Beau mélange, ça, Néo, beau mélange. Ah bah, tu as bien fait pour faire. Moi, je veux jouer avec toi. Ils sont sympas, entre frères. Les frères. Ça, les c'est frères. L'amour fraternel. Ok. Qui a fait alors, pour ta ouais. On joue tout ça. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a une ligne de vue ? Est-ce que vous avez une ligne de vue si ça vous arrange d'échanger de place ? Ouais, mais en fait, vous êtes à la fin, donc ça change. Ouais, moi, je veux faire un test d'agilité pour échanger avec toi, là. Bah, avec moi, c'est pas possible. Tu pourras jouer, échanger avec un. Bah, sinon, on fait tous les deux. Un hostile, mais c'est mieux que t'échanges avec un hostile, en fait. Autant qu'on teste nos agilités, là, ouais. Je claque mon 1. Ton 1. Tu fais un jet d'agilité avec un... Enfin, voilà. Ouais. Triangle. Point critique. Si tu fais une réussite, ah oui, tu te décales d'un, une simple, tu pourras quand même te... Bah non, en fait. Tu pourras jouer en tant qu'un. Avec un hostile. Non, avec un hostile. Bah, je vais faire un critique, alors. Oh, non. T'es nul. Tu peux reclaquer un dé, si tu veux. Mais là, tu vas commencer à perdre des ouais, dés. Ouais, non, là, j'ai... Bah, faut que tu bouges, ouais. Non, ça suffit. Bah, moi, je teste. Il y aura rien aux deux. Je sais pas. Il faut relancer tes dés, par contre. Ah oui, j'ai pas fait, mon... Oh là là. Néo, tu sais vraiment... Pas grave, regarde, il y a que des 6, hop. Non, il y a aucun 6. Si, si, il y a plein de 6. Dans ta tête. Ouais. Allez, Néo. Ça compte, parce que je suis psychique. Tu défausses quoi, un 1 ? Ouais, je défausse moi. Vas-y. Oh, regarde rien, t'es prêt? Tu peux te... Non, tu peux faire ça, Néo. Alors, tu peux remplacer avec un hostile de ton choix. Ah ouais, en ok. Fait, on décale celui-là. Bah, en gros, moi, je vais mourir. Avec c'est ça, t'étais vraiment premier. Je suis toujours premier. Ouais, ça, ils vont tous se barrer dans l'ascenseur et toi, tu vas rester tout seul. Angèle, genre. Tu vas fermer l'ascenseur. Non, c'est moi le capitaine. Non, on va l'attendre. On peut pas abandonner le capitaine. On fait pas, Angèle, on t'abandonnera pas. C'est une mutinerie. Ensuite, c'est toi qui passe chef. Mais bon, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes dés. Je vais mettre... Bah, en fait, je vais mettre en alerte. En alerte, on baisse juste le niveau du dé de 1. Donc, je passe tout à moins 1. Et je garde mes dés au cas où c'est à peu près par là, bah, je tirerai dessus. Voilà. Ok, ok. Ensuite, du coup, ça va être à toi, Godefroy. Donc, toi, il faut que tu nous rejoignes le plus vite possible. Bah, j'avance de 6. Donc, déjà. De 6 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu arrives jusque là avec tes dés de base. Okay, je peux prendre un. Je prends un dé. Ouais. Un pour aller dans tout. Voilà. Il est dans l'ascenseur. Il est dans la place. Ensuite, c'est à toi, Néo, ouais, avec un radia. Tac. Bah, je vais utiliser mon truc là. Un plus pour filer un 5 à Angèle à la place de son 1. Oh, t'as vu ça, c'est beau. Il est trop gentil. T'as vu ça, comment c'est gentil. Ouais. Est-ce que je fais ça c'est ou est-ce que je fais... Ou est-ce que j'avance jusqu'au fond? Avance jusqu'au fond. Ça ouais, laissera la place. Bah non, bah, tu gardes ton 1. Hein. Bah tu le défausses du coup. Non, mais tu peux prendre un dé là. Ouais, sinon moi j'ai prends un dé là. Ah ouais, voilà. Tu peux en utiliser bon. Que 2. Ça ouais. Peut être que 2 par case. Hein. C'est ça. Ok, vas-y. Donc c'est fait. Et du coup, ensuite c'est le groupe 2. Donc c'est toi le chef, c'est toi qui jette les. Donc c'est bon, il ne repart pas. Le groupe 3. Non, il ne repart pas. Et le groupe 1. Il repop pas. Ouf, okay, j'ai donc là, c'est bon, tu peux t'activer. Ouais, bah de toute façon, j'ai 5 dés. Il bouge 2. Donc de base, j'ai 3 dés, donc je peux faire 6. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'utilise un dé de la réserve bon. Voilà. Pour bouger. Et il en fait un autre pour activer l'ascenseur ou pas non, c'est bon. Et puis bah, là, à la fin du tour, on se barre. Et on se barre. Nos maisons. C'était easy. C'était easy. Alors, vous avez battu la schneck de l'espace, mais par contre, Momo, il a perdu un point de vie quand même. Ouais, il est en blessure grave. Alors, c'est la faute de Néo.
c'est qu'en gros, les blessures graves vont se cumuler, on ne peut jamais les soigner. Oh merde. Et ça nous force à remonter à précipice. Et en fait, quand on va remonter à précipice, on va pouvoir faire du troc, mais on va gagner une carte leg. Leg, ouais. Dans les cartes leg, il va y avoir par exemple des nouveaux monstres plus difficiles à tuer, les hommes bêtes et tout ça, ou un décompte de temps. Si on n'a plus de carte leg, si on est trop souvent remonté à précipice, on perd, on doit recommencer depuis le début de la campagne. Ah ouais. Et voilà, donc là, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il nous faut 4 indices quand même pour commencer à attaquer un bastion. D'accord. On a 0 indice, donc là, on sait qu'il va falloir qu'on enchaîne. Donc là, cette partie donc là, est finie, donc on va pouvoir un peu enlever tout ça, et puis on va voir la deuxième exploration qu'on a à faire. Donc là, on tire une deuxième carte. C'est ça, une deuxième carte exploration. Donc, pour cette exploration, cette fois, ce sera un défi. Le défi s'appelle refus de céder. Donc, je vais lire. Refus de céder. Deux explorateurs s'emparent simultanément d'une découverte de valeur. Le ton monte et il semble que le sang va couler. Oh, c'est bon. À moins que l'un des deux accepte de céder. Mélangez les cartes initiatives des explorateurs et piochez-en deux. Donc, les explorateurs en présence. Je pense que le hasard va bien faire les choses. Ouais, on va avoir les deux frangins. Est-ce qu'on chope les trucs de découverte quand même? Alors, justement, je vais relire. Mélangez les cartes initiatives des explorateurs et piochez-en deux. Placez ces deux explorateurs en contact. Dans l'ordre dans lequel les cartes ont été piochées, chaque explorateur peut soit attaquer, soit céder. Si l'explorateur attaque, il doit effectuer une action d'arme contre l'autre explorateur en considérant que ce dernier est adjacent et visible. Okay. Si un explorateur cède ou est mis hors de combat, l'autre remporte le défi. L'explorateur qui remporte ce défi reçoit une carte découverte de son choix dans la pile de découverte de son choix. Oh, ok. Donc ça, c'est fort. Passez la pile en revue pour trouver la carte de votre choix, puis remélangez la pile et reposez-la sur le plateau précipice. Mais... chaque explorateur retourne ensuite à la chambre de sustentation. Moi, j'ai pas compris. Donc tu dois tuer un tes potes. Alors non, c'est en fait en gros, c'est un défi, c'est une tension dans le groupe. D'accord. Donc il y a deux gars parmi nous qui ont trouvé une découverte et qui veulent pas céder. Enfin, qui ont envie de se tirer la bourre. Alors, c'est où vous la jouez consensuel, je vous la cède, vous jouez la paix, et puis on avance. Ou vous voulez pas lâcher, mais vous risquez de mourir parce que vous allez commencer à vous mettre des gouaches. Mais c'est des vrais dégâts pour de vrai. C'est des vrais dégâts pour de vrai. C'est-à-dire que si vous prenez des blessures graves suite à une attaque, ça va être que du corps à corps. Donc vérifiez aussi que au corps à corps, vous avez quand même des armes qui peuvent faire mal. C'est facile, bâton de force. Boom. Donc on va avoir Aradia. Ah bah ça va, c'est bon. Et là, vous mettez vos deux figurines au centre. Et on va voir qui va l'emporter. Merde, t'es costaud, Gotora, toi, non? Mais je suis blessé. Ah ouais, t'es blessé. Tu vas l'achever, Léo. Mets-toi à couvert, sinon je te finis. Et Gotora, là. Non, mais qu'est-ce qu'on décide, les gars? Vous faites une expédition quand même. Soyez... alors, jetez vos 4 dés malgré tout. Mais 3 dés parce que. 3 dés. Des blancs, hein. Ouais. On va la jouer comme ça, hein. Merci. C'est parti. Oh, regarde, en plus, je suis exalté. Regarde ce jet de poutre. Je vais me faire défoncer maintenant. Passe-moi l'artefact. Là, tu vas pouvoir commencer. Mets tes cartes. Ah, mais on va mettre vraiment se mettre sur la gueule. Quoi, oui, vous allez vous mettre sur la gueule. Non, mais c'est pas mieux. Mets tes dés sur tes cartes. S'ils choisissent de pas... Bien sûr. On peut décider de ne pas le faire. Ben oui. Mais là, toi, tu veux céder? Ah non. Ah ben voilà. Bon, ben alors, décide. Soit tu attaques, soit tu cèdes. Est-ce que tu veux céder? Ah, mais moi, pourquoi c'est il décide pas en premier? Non, parce que c'est dans l'ordre dont on a tiré l'initiative, et c'est Aradia en premier. Juste... bon, non, bah vas-y, je vais pas lui défoncer sa gueule, il est déjà blessé. Mais oh, c'est quoi ce... c'est un truc d'équipe, en fait, hein. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Mais là, ouais, mais je vais pas lui éclater la gueule alors qu'il est blessé. Je peux pas tirer sur Léo en tant que capitaine. Mais tu vas te battre, bordel. C'est vrai que c'est un peu ton chef. Angèle, vas-y, c'est toi qui décide. Je sais pas, mais c'est aussi mon compagnon, lui. Ouais, ouais. Voilà, c'est normal. De toute façon, moi, j'aurais rien. Non, mais je cède. Tu cèdes direct. Ouais. Bah, c'est dégueulasse de tabasser un mec. T'en fais pas, Léo. C'est moi qui vais le finir. Après, il va avoir le truc et c'est moi qui vais l'achever. Vas-y, prends ton matos. Moi, je t'aurais tapé. Moi, j'en étais sûr. Si tu mettais une. Wesh, il aurait enchaîné, c'était sûr. Ah bah oui, il est mort. Ah, parce que c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, si jamais on décide de céder. Non, parce qu'à chaque fois que vous allez taper, vous avez le droit de céder. Ah, donc oui, le mec pas bête, il se prend une blessure normale, il va céder normalement. Ouais, ok. Bon, putain, vous me décevez les mecs. Je peux prendre un indice pour aider la game. Ouais, bravo. Ah, c'est beau. Ça, c'est... Moi, j'aurais pris le cash. Hein. On va pleurer. Moi, je l'aurais laté, j'aurais pris du cash. Ouais, Rachel, il aurait tué tout le monde, il aurait pris ses... Alors, faut savoir que c'est pas mal les indices, parce que dans les bastions, t'as du stuff qui est très...
pour le bien commun, Zel, tu peux pas comprendre. Alors, on va continuer, du coup, ce défi est fini. Donc, on va continuer sur le défi suivant. Donc, on est d'accord que là, le chef, c'est... Oui. C'était qui? Bah, c'était moi avant, mais... C'est Angèle, le chef. Oh, merde. C'est super chef. Alors là, normalement, on a un combat à faire, donc qui se représente par ça. On a un choix, c'est que le Seeker Omicron, je crois qu'une fois par partie, il peut... Nous, lis la carte, s'il te plaît. Alors, Seeker Omicron, peut-être. Donc, ça, c'est on a chacun vaisseau, des vaisseaux. On a chacun des vaisseaux. Ouais. Sachant que, du coup, ils ont tous une capacité d'appui qu'on peut activer une fois par exploration. Mmh. Enfin, par. T'as compris, quoi. Ouais, bref. Et du coup, le Seeker Omicron, Theta, il fait un programme de cartographie avancée. Et une fois par expédition, lorsqu'une carte d'exploration est retournée face visible, le chef peut l'utiliser. On peut utiliser le programme de cartographie avancée. S'il le fait, traiter cette carte exploration comme si elle avait été résolue. D'accord. Donc, si vous voulez, on peut faire ça pour ce combat, pour faire la dernière expo, pour avoir fini le... Ou alors, on se fait le combat. Qu'est-ce que vous décidez, les gars? Bah, je sais pas, il y a un avantage à faire le combat, du coup. Il y a l'avantage à faire le combat, c'est en fait de continuer choper à choper des marqueurs, du loot, et des marqueurs potentiellement des indices. Et là, du coup, si on continue à explorer, on a juste un bonus. Donc, il n'y aura plus de combat, parce qu'il y a deux combats pendant la pile. C'est ça. Et on continue d'autres explorations après. Il y a notre défi, et du coup, on a le choix où on monte à précipice pour se stuffer, mais avec le petit. Ou on continue tout simplement en se refaisant une pile d'exploration. Sachant que notre objectif, c'est d'avoir des indices. Donc moi, je serais assez d'avis de faire le combat, mais après, ça va dépendre d'un peu du temps que vous avez. Ouais, c'est logique. Ouais. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on a parlé, qu'on va monter à précipice. Explo. Ouais, allez, c'est parti. Allez, on installe. Mise en place. La nouvelle mission est en place. La tension est à son maximum. Est-ce que Momo va mourir? Non. Est-ce que les deux frères vont s'entretuer? C'est parti. Donc c'est là, la première chose à faire, c'est de définir les rencontres, comme d'habitude. On ne l'a pas encore fait. Donc en 1, on va avoir 8 Traitors Guardsmen. Ouh, là, des Traitors Guardsmen. Gardes impériaux. C'est les mecs qui tirent. Qui alors non, ils ne sont pas impériaux, justement. Non, c'est oui, des traîtres. Des gardes impériaux qui se sont Renégats, tournés vers le côté obscur de la force. Donc là, il va nous falloir forcément un lance-flamme, parce qu'ils sont nombreux. C'est un groupe de 7, c'est ça? C'est un groupe de 8. Ouh là là. Enfin, si je fais des bons jets, moi, je peux les tous les flinguer. Hein. Oui, tu bah, toi, en plus, tu t'exaltes en faisant ça. Donc, voilà, parce que si je fais des 6, je peux faire 3 attaques en une action. Tout à fait. Donc là, voilà, donc ça fait... 7-8, on est bon. Et la deuxième, parce que là, il n'y a que deux marqueurs, ce sera 4 négavoles cultistes. Ouh là là, ça c'est de la saloperie, ça aussi. Ouais. Donc, c'est là, pas ceux que j'ai tués en un tour? Si, ouais. D'ailleurs, on a oublié un détail, mais c'est pas grave, là, on s'en rappellera. Faites-moi y penser, ils ont des sauvegardes armure, les négavoles. Ah oui. Ah ouais, c'est peut-être un peu facile. Là. Et ils sont boostés en fonction du nombre. Donc voilà, on y reviendra. Donc là, on va tout d'abord se placer. Sur le map. Donc, les moi, tanks devant. Ouais, je me mets devant parce que je suis un tank. On est moi aussi, t'es un tank. Je suis un tank qui saigne. T'es blessé, mais t'es un tank quand même. Ah, ouais. Mais j'ai plus que 3D. Après, vous avez un problème parce que vous avez beau être des tanks, si les mégavolts s'activent avant vous. Ah bah, bim. Premier. Ensuite, les 1, ça va être eux. Mais d'ailleurs, on les a pas tournés dans le bon sens. Ouais, non, c'est ça qu'ils sont surpris, les mecs. Ils sont face caméra. On peut imaginer qu'ils sont surpris. Ils se faisaient une petite fête. Donc, moi, ma position est plutôt bonne. Par contre, peut-être que vous allez avoir envie de changer de position. Ouais, Néo, on inverse. Je joue avant toi. C'est vrai qu'il fait plus de dégâts, en fait. Ça te sert pas à grand chose. C'est qui? C'est moi le chef. Moi, j'ai des corps. Il est pas mal. Alors, moi le chef. Là, on a un jet misérable. Ce que je peux faire, par contre. 2, 1. Une fois 2 et un 3. C'est ça. Ouais, une fois par expédition, après avoir effectué le jet de destin, le chef peut utiliser la banque de cogitation. S'il le fait, les résultats identiques ne sont pas défaussés. Et tous les dés sont placés sur la réserve. Donc on va se les garder, non peut-être. C'est des jets de déplacement. Je sais pas, c'est des jets de merde. Bah ouais, mais en même temps, ça va nous permettre de nous déplacer et potentiellement de tirer avec des actions à 1+. Moi, par exemple, à 1+, Est-ce qu'on reste exalté d'ailleurs? Ouais. C'est-à-dire ouais. Jusqu'à, jusqu'à la fin de cette expédition. Ah, ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, hein, c'est vous qui me dites. T'as fait un jeu de merde, t'assumes. Ok. Je vais les garder. Non, on les garde pas, Moi, je suis mieux, t'es gars. C'est peut-être pas mal quand même. Je le demande à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, en jeu? Utilise ton pouvoir, parce qu'on va être dégommé dès le premier tour, il n'y aura plus personne. D'accord. Donc, je le mets là. Ok. Ça me va. Donc, le premier à s'activer, c'est moi. Du coup, là, j'ai pas de ligne. On va finir. Si, t'as une ligne de vue sur les mégavolts, là. Ah oui, c'est vrai. Il faut jeter cette ligne.
Allez, des 6. Il y a un 6, il y a 3. Il y a 3. Ah ouais, j'ai une ligne de vue sur Negabolt. Ouais, c'est pas mal de les bastonner, ces bâtards. Ouais, ouais, c'est pas bête, ouais. Bah écoute, je vais faire ça. Donc, moi, je vais jeter mes dés d'activation quand même. Ça peut être utile. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, j'ai une capacité. Donc, tir soutenu. Quand j'effectue une attaque de tir avec mon canon d'assaut, je peux attaquer une fois pour un coup de 1+, deux fois pour un coup de 3+, ou trois fois pour un coup de 5+. Donc là, je peux tirer deux fois pour un coup de 4+, sachant que avec mon canon d'assaut, 1, 2, 3, portée 3, c'est un hexagonal. Donc, je vais quand même claquer un dé pour bouger de 1. Ouais. Et ensuite, un 4+, pour tirer deux fois avec un hexagone. Tu peux les aligner, là ? Là, c'est-à-dire ? Bah, genre, tu tires j'en tire un, puis l'autre. Cela aussi, ouais. Non, en fait, je peux tirer... que sur la même case. Ah oui, okay. C'est l'étoile de la mort. Résolvez chaque attaque l'une après l'autre. La cible choisie pour la deuxième et la troisième attaque doit être soit la même, soit sur une cible sur la même case ou sur une case adjacente. Okay, tu as raison. Ah ouais, donc ouais, c'est première attaque. Donc là, je fais un critique, c'est 3 dégâts. Normalement, je le tue. Tu vas faire le G pour la save. Ils ont de base 20, plus 2 par combattant allié. Plus 2 par Negavolt allié. Ouais, donc ça fait 14, 20, 18, 16, 14. Donc sur du 14 plus. Momo annule c'est la bon. Blessure. Donc, non, Momo, il annule ça, 3, j'en tue 1. C'est bien ça. Mais ça annule toute la blessure en même temps. Toute la blessure, ouais. Donc, le deuxième tir, on va voir ce que ça donne. Rien. Ah, dommage. Donc, avec mon 4+, je vais refaire la même chose. Donc, je vais tirer deux fois sur cette case. Donc, premier tir, rien. Décidément. Deuxième tir, une blessure simple. Est-ce qu'elle est annulée, Morgan ? Non. Elle n'est pas annulée. Donc, je fais une blessure simple, c'est toujours ça de prix. Est-ce que. Bah, après, là-bas, il n'y a que des 3+. Avec un 3+, je peux tirer deux fois. Genre, allez, j'en prends un, je retire deux fois, j'essaie d'en dessouder au moins. Tiens, faites-moi les jets de dés dans le trou noir au milieu. Okay. C'est la piste de dés. C'est bon, ça le finit. Donc, ça... potentiellement. Toi, t'as pas compris la consigne. Dans le trou noir, okay. C'était là, ça fait un 17. Ouais, 17, ça il annule bloque. La blessure, donc le deuxième tir. Putain, c'est bon. C'est dans le trou noir, un critique. Ça bloque, ouais, ça t'annule pas. Non, donc, autant que ça tue un voisin, non ? Non, ah, il faut le dire avant. Non, faut le dire avant, et par défaut, c'est celui-là que je visais. Okay. Donc, j'en tue deux, je jette juste pour voir si je prends un petit point d'exaltation. Non, non c'est pas le cas. Ensuite, ouais. C'est au 1 de jouer. Les 1, c'est eux. Ouais, ils vont donc là, il y a des chances que je prenne Bagdad, mais je suis à couvert. Ouais. Donc, ça va être un point important pour moi. Ils vont le dégommer Godefroy. Il n'est pas à couvert. Non, non, je tire normalement sur le plus proche. Alors, par contre, j'ai pas juste pas les bonnes cartes. Ça va sortir. Ils sont tous pareils, il n'y a pas de chef. Si, il y a des armes différentes, mais c'est écrit sur la fiche. Donc on va y aller étape par étape. Donc on va d'abord faire ce groupe de 3. Ce groupe de 3, il est à couvert, armé d'un fusil à l'air et à couvert de tout explorateur visible. Jette le dé. Donc non, ils ne sont pas armés d'un fusil laser. Donc deux cases. 1, 2, 3. Fais gaffe, t'as mis deux sergents. Hein. Non. Si. Ah si. Tiens. Je te donne un autre avec un pistolet laser. Ouais. Parce que t'as la grenade des lance-flammes sur un autre case. Donc non, j'en ai déjà un. En fait, il faut que tu me files. Parce que normalement, je les ai pas en fait. Tout en rouge, un groupe différent. Mmh. Et tout en vert, un autre groupe différent. Mais... Donc il te faut du rouge là ou du vert. Mais si t'es pas marqué dans le. Je sais, je rigole. En rouge, du rouge. File-moi du. File-moi un autre fusil laser en fait. Il n'y a pas assez de fusil laser. Merci. Il y a deux fusils laser et un flammeur dans le truc. Ouais, c'est ça. Alors, bon, bref, on récapitule. Donc, eux, on a dit, ils sont à deux ou trois cases. Un, deux, trois. Non, à couvert, non. Engagé, non. Caché, non. Donc, ils sont autres. J'ai trouvé. 10. 10, ils ont visé. Donc, visé, ça va être. Oh, bah, putain. Donc, viser, ça va être attaquer l'explorateur à portée le plus éloigné et visible. Cette attaque ignore les couverts. Bah, ça tombe bien, parce que j'étais à couvert. Donc là, ils vont attaquer à distance, Néo, non, mais ignorer les couverts. Non, c'est lui. Le plus éloigné. Le plus éloigné. Hein. Et visible. Ouais, Néo, il est visible par le sergent. Oh non. Le sergent qui fait la... C'est le plus éloigné et visible. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est alors, c'est lequel on dit c'est un sergent qui fait la visée pour tout le monde, normalement. Ah, visée, c'est pour ça, ils font comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Néo qui va prendre. C'est Néo. C'est Space. C'est Néo. Donc, c'est pas cool, ça. Là, on a un fusil laser. Donc, le fusil laser, c'est un triangle. Vas-y.
Néo, capable de défendre. Ah, donc ensuite, j'ai deux armes de pistolet et armes de mêlée, donc c'est un carré. Donc il y a deux carrés là. Deux carrés, là, s'il te plaît. La chance. Ah, ouais. Créé, hein. Donc maintenant, on fait le deuxième groupe. Vas-y, j'ai le bal avec mon esprit. Pour exemple, Néo. Donc 8. C'est bien, ça, c'est bien. Donc toujours pareil, on est sur du visé. Oh non, donc, bah non, ils prennent le plus éloigné, mais cette fois c'est Morgan, quoi, parce que lui ne sera pas visible. Ouais, il n'y a pas de ligne de vue. Donc là, on a un fusil. Donc Morgan, c'est moi qui vais jeter les dés. Toi, tu vas te défendre, d'accord. Un fusil laser. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te démerdes. Le mec est aimable en plus. Donc rien, ouais. T'as vu, je suis un mec bien. Mmh. Ensuite, t'as une grenade. Ouais, grenade, boum. La grenade, c'est un triangle. Putain, c'est rien. Ah, c'est vraiment nul. Et c'est vrai que c'est des branquignoles, les mecs. Et un pistolet. Oh, un critique. Oh, un mec qui est. Je vous taire. Donc vas-y, tu te défends. Putain, jette-le bien là. Tu reprends la blessure grave. Deuxième blessure grave. Putain. Donc tu enlèves. C'est chiant. J'ai un pied dans la tour, il se va te défoncer. Le pauvre. Ça me fait chier, j'aurais pu prendre pour toi. Oh putain. Enfin bref, c'est la vie. Donc. Non. J'en suis sur toi. Tu vas peut-être mourir. Vas-y. Ah, le dernier groupe, mon. Donc oh, 17, non. C'est assaillir. Assaillir, c'est attaquer l'explorateur le plus proche à portée visible, puis attaquer de nouveau l'explorateur le plus proche à portée et visible. Donc le plus proche à portée visible, c'est lui. Ouais. Sachant que là, on a un mec, un homme de base. Donc un c'est pistolet et arme de mêlée. Donc lui, ça va être des carrés. Il va attaquer deux fois, mais je suis à couvert, donc je vais réduire à chaque fois de 1 les dégâts, les résultats. Donc là, ça fait rien et là, rien. Et le deuxième, par contre, il a un lance-flamme. Donc là, il est hors de portée. Par contre, il a en avant. En avant. Le lance-flamme n'est pas à portée, le traiteur Groasmin se déplace vers l'explorateur le plus proche au lieu d'effectuer une attaque. Donc pour sa première attaque, il va se déplacer, 1, 2, et la portée maximum, c'est 3 cases, 1, 2, 3, donc là il est trop loin, donc il va se redéplacer, 1, 2, tout simplement. Par défaut, on va essayer de le mettre à couvert quand il pourra être à couvert. Donc là, fin de l'activation du groupe 1, on va passer au groupe 2, donc les deux électro cultiste. Donc est-ce dans un que premier Momo temps, va mourir? Non, dans un premier temps, on va voir si les négavolts qui sont morts reviennent au combat sur 1 à 3. Donc non. Maintenant, on va savoir si les négavolts, qu'est-ce qu'ils font exactement. 11. Donc là, ils sont pas cachés, ils ne sont pas engagés. Donc ils sont dans l'autre situation et ils ont chargé. Donc chargé, c'est simple, c'est se déplacer vers l'explorateur le plus proche, puis attaquer un explorateur adjacent et visible, et s'il n'y en a pas, il se déplace une deuxième fois. Il se déplace en tout de 3 cases de move, 1, 2, 3. Donc là, je serai assez proche, donc je vais me faire attaquer deux fois. Sachant que les Negavolt, en arc électrique, ils ignorent les couverts, et en plus, aucun jet de défense n'est autorisé contre une blessure grave infligée par l'attaque d'une électromatraque. Donc là, tu vas jeter deux des triangles face auxquels je pourrais rien faire. Par chance, il se rate. Ouais. Donc, maintenant, c'est à Aradia de jouer. Quand tu joues, sache que tu peux toujours traverser les alliés, pas les ennemis, sans t'arrêter sur la case si la case est saturée de personnages. Par exemple, si deux grands socles, ça bloque la case. D'accord. Ou trois petits. Ok. Du coup, moi, je propose... Est-ce que quelqu'un veut des bons jets déjà? Fais-moi un 6, Néo. Moi, j'en ai plus. Ah ouais, putain. Fais-moi un 6, Néo. File un 6. Tiens, je vais pouvoir dégommer tout le monde. Un 6, s'il veut. Un 6. Bah ouais, bah... Mais dépense ton 2, moi. Tu peux en faire quelque chose, toi, le 6? Tac. Ouais, mais... Je sais pas, moi, je peux tuer 3 fois avec un 6. Parce que châtiment, moi, ça va me permettre de faire une attaque... Tu peux battre 3 fois avec un 6. Une attaque psychique sur des mecs sur la même case, mais c'est le plus proche... Bah, tu pourras faire un. Ah ouais, ce serait eux. Bah, en fait, tu bouges là, tu fais une attaque psychique. Ouais, bah non, bah, vraiment. Tu non, sûr, non. Ça fait une blessure grave. En fait, c'est plus intéressant pour moi. Une blessure grave, automatique et une mais blessure c'est pas légère sur un l'autre. C'est un 5 maintenant que t'es exalté. Non, c'est un 6. Toujours ça. Tu vas arriver pas à être en 6. Enfin, du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire une blessure grave et une blessure légère? Angel avec un 6, il attaque 3 fois. Automatiquement avec un 6. Ouais, non. Ouais, non, c'est mieux pour Angel. Ouais, c'est mieux. Sur Godefroy, il va s'en occuper. Toi, tu le petit lanceur. Godefroy, il est mort. Il va falloir s'occuper d'eux aussi. Hein. Non, mais eux, je peux m'en occuper. Je peux tirer 6 fois avec une attaque. Ah oh, ouais. Donc, en fait, qui doit s'occuper de qui là? Et moi, je peux me gérer tout le groupe ici tout seul. Gérer les menaces les plus proches au fur et à mesure. Ouais, je pense. Je vais dépenser ça pour bouger. Je vais venir avec toi. Ouais, c'est vrai. Et je vais foutre deux coups de bâton de force. Ah ouais. C'est des. Tac. C'est des hexagones. Ouais. Donc vas-y. Deux coups d'hexagone. Vas-y.
Donc là, c'est les deux attaques en une seule. Hein. Bien sûr, ouais, tu peux jeter les deux dés. Ça change pas grand-chose. Oh non. Ah, bah oh. Ça, c'est deux. C'est pas magnifique. Beaucoup de passes là ce coup-ci. Est-ce que tu peux réattaquer avec un 1, 2 ou. Alors je peux réattaquer avec un pistolet laser pour du 1 ou du 2. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu laisses le 1 et le 2 à d'autres. Hein. Non, je sais pas. Moi, les gars, c'est à vous de. Non, moi ça me. Si, toi tu peux. Toi tu t'es violente à un moment. Mais moi il me faut des 5. Ah oui, donc. Bah t'as un 6 ça peut. Prendre un de chaque. Ouais. Et tu tapes deux fois avec ton pistolet. Allez, deux violets. Ah, il faut des faces là. Après c'est. Bah, ouais. Allez. Ok, il y a un blessé. Il y en a un, est-ce qu'il save ? Non. Donc il prend, tu mets quand même un dégât. Félicitations. Ah bah, c'est le premier dégât de la game. Non, c'est pas ouf, mais on essaie de t'encourager, Néo. On est tout cœur avec toi. En plus, il est exalté, le bordel. Est-ce que t'as fait ça ? Ouais, mais je peux même pas venir sur la case. Alors, est-ce que je suis sur la case où je voulais aller ? Si, toi, tu peux bouger de 2, tu peux être sur la case. Oui. Bah non, parce que moi, je voulais avancer de 1 et attaquer gratos. Ah. Léo, bah. Ah bah, faut que j'en aille. Ouais, mais là, t'as utilisé tout le potentiel de partie, là. Ah, fallait me dire. Bah, moi, j'ai rien dit, moi. Bah, prends un 1 pour le mouvement, mon gars. Non. Ah, pour mon nom. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Bah, toi, vas-y, mon. Prends un là-bas, comme ça tu bouges de non, deux. Mais moi je vais aller attaquer les autres là-bas. Non, non, moi je peux m'en occuper, je peux tous. Angèle, il va les fumer avec les... au pistolet. Lesquels au pistolet. Tous là-bas. Il faut que je t'occupe d'eux en fait. C'est la menace, moi, qui me fait chier. Ouais, j'avais exalté en plus, c'est le fait. Du coup, donc un, tu bouges de deux. Bim, bim. Tac. Fume-moi les deux là. Avec mon 6. Il va falloir buter le lance-flamme par contre, parce qu'il nous a donné là. Buter le lance-flamme. Je me cache et j'attaque. Vas-y. C'est bien ça. Et tu jettes deux fois ces dés ou une fois? Jette bien là. Hein. Deux fois. Aïe, aïe, aïe. Putain, on perd l'air cette partie là, c'est pas la même. Hein. Oh là là. Je suis pas sûr, Angèle, qu'en fait tu vas aller là. Hein. Vaut mieux peut-être que tu nous aides là. Bon, je prends. Après, je peux tirer. Vas-y, là tu prends. Ils sont dans ta ligne de vue, Angèle. Vas-y, je prends un 1. Vas-y. Pour faire. Putain, je fais quoi? Je tape toujours sur les mêmes. Bah oui, oui. Faudrait les tuer. Voilà, tu fais un elle est finie. Non, parce que j'ai fait un simple. Save. Non, pour la première. Non, pour la deuxième, c'est du 18. Les deux meurent. Mais attends, pourquoi? Non, mais non, c'en est qu'un. Ah non, c'en est qu'un. Tu prends toujours le meilleur dé. C'est pas le deuxième différent. Au pire, celui-là, je le laisse. Hein. Je vais pas gâcher une attaque. Bon, bah voilà. Je peux utiliser un sur un pour le tirer sur le pistolet. Hein. Mm-hmm. Ouais, tu le finis au pistolet, tu mets une balle entre les deux yeux. Là. Et il reste un 2, tu veux peut-être encore taper, toi. Parce qu'Angèle, il est bien au niveau des dés. Hein. Attention, il a déjà pris 2 dés dans la réserve, Momo. Non, il a pris qu'un. Non, il a pour manger, non. Non, il a pris une utilisation. Bon, vas-y. Vas-y. Vengeance. Yes. Bim. Est-ce qu'il save? Non, non. Là, il est mort. Puis là, il pouvait passer. Il a demandé d'excitation. Non. Regardez bien comment Angèle va tuer 10 guardsmen avec une attaque de pistolet. Je suis pas sûr non plus. Bon, je dépense un dé pour faire le déplacement. Ouais. 2, bah du coup, peut-être que je dépense un dé en plus pour. Bah là, t'as une portée de 3. Mais déjà, le flammeur, ça serait bien de s'en occuper. Si je veux les enchaîner, après, je peux tirer une fois. Oui, et voir ce qui se passe. Tu pourras toujours rebouger après. Et sur ce truc là, tu vas tirer 3 fois. Ouais. Faut que tu le lances là. Bon, j'utilise un dé, un 6 pour tirer 3 fois. Donc, c'est parti. La c'est première quoi. Attaque. Allez. C'est 2 dés violets. Hein. Ouais, et 3 fois. 1, c'est bon. Un mort. Sinon, c'est Maca, ils ont 2 points de vie ou 2. 2, ouais, aussi. Deuxième attaque. 2. Encore. Allez. Si encore un, tu t'exaltes. Tu t'exaltes. Ah, si près du but. Blessé, par contre. Non, ouais. C'est pas grave, je peux retirer. Ouais, retire, mais attaque une autre case. Bah non, j'attaque. Mais bah si. Les attaques, je peux les enchaîner sur les cases des côtés aussi. Hein. En fait, s'il me reste des attaques de mes actions, je peux la faire sur sur la case d'adjacent. Même si c'est hors de portée. Parce que là, tu seras hors de portée pour le coup. Ouais, tu seras plus loin. Je peux me redéplacer. Et du coup, avec ton 1, tu te déplaces une fois. Mais après, il reste un lance-flamme. Hein. Ouais, mais lance-flamme. Vous avez peut-être joué avant lui. Fumer. On jouera avant lui, allez. Allez, on y croit. Allez. Moi, je me déplace une fois. Par contre, je vais mettre à couvert du coup. Ah non, t'es toujours en 3 cases. Il faut que tu sois là. Ouais, bah attends, bah du coup, au pire, je viens là. Ouais, je suis à couvert comme voilà, ça. Brah. Allez, j'utilise mon dernier 6. Deuxième 6. Pour la deuxième case qu'il y a là. Vas-y. Allez, Angèle. Ouais. Allez, le lance-grenade en premier. C'est des tacos. Ok, ouais, un mort. Deuxième. Le deuxième de corps à corps. Un blé sur ça. Et le dernier, le fusillé. Bah lui aussi, il est blessé. File-moi un autre dégât. Tac. T'as encore des dés ou pas? Non, j'ai pris un. Par contre, on a déconné sur un point. Là, quand tu tires, en fait, eux sont à couvert.
Donc en fait, ils réduisent de 1 les dégâts qu'ils prennent. Bah l'autre, du coup, il était blessé aussi. Non, parce que... Ah, ils étaient tous à couvert. Merde. Bon, bon, on va revenir juste sur ces deux-là, ce sera déjà pas mal. Ouais. On le sait pour la prochaine, désolé. Ouais. J'ai zappé. Next, nouveau tour. Nouveau tour. On est bon ? Attention, ouais. Allez, là, c'est tendu là. Événement, fin de tour. Mais c'est pas bon du tout. 10, c'est le même truc 10. Que tout à l'heure. Conditions changeantes, piocher une carte rencontre. Si cette carte est un impondérable, elle en a pas, donc ça change pas la game. S'il y avait eu un impondérable, on l'aurait appliqué à toute la partie. Okay. Donc là, c'est important, là. L'ordre, là. L'ordre, c'est important. Jetez vos dés, les gars, pendant que je fais la petite initiative. Moi, ça va. Toi, au moins, t'as plus de 2 dés à acheter. Enfin, j'ai pas de 6. Mais... Ouh, putain. On est pas mal, quand même. Ah, je joue en premier. Oh, putain, à part... À part moi. Ouais. Comme d'hab. Il n'y a plus le méga vol. C'est pas grave. Alors, il y en a un parmi vous, je crois, qui a la capacité de pouvoir nous faire un jet d'agilité gratuit, non? Non, mais c'est pas grave. Regarde, il n'y a que le 1, ils vont être morts avant de jouer là. Qui est le chef? C'est toi. Non, c'est Angèle. C'était moi, maintenant ça va. C'est Néo. Néo, fais ton le jet. Allez, je m'exalte encore plus. Bim. Bah, encore une fois, il y a 2-2, mais il y a quand même des 6. Mais il y a des bons jets. Alors, du coup, c'est qui joue en premier? C'est toi. Bah, ça tombe bien. Ok, bah, je dépense mon 1 pour faire un mouvement quand ils seront plus à couvert. Là. Alors, n'oublie pas un truc. Tu peux rester là et toi, tu as une capacité qui dit que si tu dépenses un 1 pour viser, tu ignores les couverts pour toute la durée du tour. Ah oui, d'accord. Donc, autant rester là, comme ça, tu es à couvert, mais eux ne le sont pas. Bah, moi, je les dégomme alors. Allez. Tu fais ça. Il est fort en perso. Il est très fort. Tu peux prendre le 6 là-bas. Pas 3 attaques. Bah, oui, prends-le. 3 attaques pour une seule. Prends-le. Ah ouais, commencé par tirer sur lui. Non, j'ai commencé à tirer sur lui. Ça, si je le touche, je pourrais enchaîner. Parce que si je tue celui du milieu, je pourrais pas enchaîner sur les deux. Ok, c'est parti. Ah, c'est pas mieux que tu finisses le chef aussi qui est blessé parce que comme ça, t'es sûr d'en tuer 3 peut-être. Mais. Non, parce que le chef, il a 3 points de vie. Ah, il a 3 points de vie. De toute façon. Allez, bah, je tire sur lui d'abord. Allez. Rien. Premier tir. Deuxième tir. C'est bon, il est mort. Ensuite, c'est eux. Non, voilà. Okay. Allez. Alors, avec ton 5, qu'est-ce que tu fais? Tu as pas fait ton jet d'excitation pour le tour d'avant, là. Non, c'est pas grave. J'aurais pu beaucoup m'exciter, quand même. Vas-y, jette le dé. Je te gueule, si je m'excite pas. Non, je m'excite pas. Je m'excite. On s'exalte, les mecs. Non, nous, on est pas vous exciter aussi, mais... Ok. Alors, là, j'ai deux tirs. Deux tirs seulement, ici. Deux, de toute façon. Ouais, mort. L'autre. Aussi mort. Aussi. Putain, je peux encore tirer. Hein. Bah oui, finis-le. Hein. Allez, bah, là, par contre, j'ai qu'un seul tir. Tout le monde. Par contre, avec un dé. Ouais, non, tue-le. Oui. Ou sinon, je peux prendre le 4 de la réserve si vous voulez pour faire deux tirs. Non, non, le 4 de la réserve sera plus. Finis-le peut-être avec un tir. En fait, c'est Rango. Ah, attends, non, je peux retirer encore. Ah, non. Si, je peux tirer encore, je sais pas. Bah vas-y, tire. Hein, bah t'as un 2, vas-y, tire. Je vais dégommer tout le monde. Bah oui, c'est le but en même temps. Ok, il est mort. C'est bon, la critique. Donc, il te reste plus de dés. Non, j'ai plus. D'accord. Excitation. Ah, est-ce que tu t'énerves? Donc là, c'était large. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est bon. Tu prends un petit marqueur en plus. Tiens, on va te mettre ça en attendant. Ensuite, c'est à moi de jouer. 1, 2, 3, 4. Bah, en fait, je suis... Alors, moi, il faut... je peux utiliser un 2 plus pour bouger de 2 maintenant. Donc je vais faire 1, 2. Avec un autre 2 plus, 1, 2. Et je vais prendre mon 4 plus pour fouiller. Comme ça, au moins, celui-là, c'est fait. Et je chope un indice. Ah, cool. Bien. On va pouvoir petit à petit aller gratter un bastion. Donc okay. Après, c'est le groupe de style 2 qui va jouer. Jettes le dé pour voir s'il repop. Il repop pas. Ensuite, c'est Godefroy de Montmirail, c'est à toi. Bah, je lui mets une fente dans sa face. Non, pas une fente, une avancée tailladante. Bien, maman, vas-y. Montre-lui comment on sert d'une épée. Allez. Bim. Bim. Il est mort. Il est décédé dans l'atroce souffrance. Eh ben, c'est fait. Fais ton jet de... Exaltation. Exaltation. Non, je dalle. C'est pas mon truc, ça. Non. Et avec 1, j'avance.
Ça avance de 2, non ? Ouais, mais je regarde si je vais mettre à couvert de. Ensuite, le groupe 1. Bah, moi. Ah oui, non. Styropop. Ouais. De 1 à 3. Non, parce que Styropop, c'est casse-couille. Ouais. Bah, ils vont pas par là, par contre. Ah, ok. Parce que Styropop. Mais ils nous attendent à la sortie, quoi. Il y a moi ? Ouais, bien sûr. Moi, je bouge de 2. Tac. Encore 2. Et lentement, mais sûrement, j'arrive. Et puis, je peux faire mon petit nettoyage. Ouais. Je vais prendre un truc de découvert. Ouais. Hop, oh, mais je me fais avoir. Hein. Non, c'est pas mal, parce que tu vas commencer à avoir du stuff. Utilise les deux derniers, parce que t'es le dernier à jouer, pour avancer de 2. 1, 2, 3, 4. Si tu peux arriver jusque là. Tac. Par contre, bon, tu sais que tu seras la cible des mecs si ça repop. Oh, c'est pas grave. Au moment, on est plutôt bien. Je veux bien que tu fasses ça, tu le positionnes, et pendant ce temps, fais-moi le jet d'événement, toi, s'il te plaît, Morgan. 10. 16. 16, exaltation. Le chef choisit un explorateur. Cet explorateur reçoit un point d'exaltation. C'était qui était le chef ? Néo. C'était. Non. Néo. C'est Néo, chef. Ah, c'est moi le chef maintenant ? Non. Et Angèle, il a un point d'exaltation de l'exaltation. Ouais, mais je pense que je vais même pas m'exalter. Moi, file-le à. Pourquoi tu t'exaltes ? Mais si, moi, j'ai pas un temps. Je suis pas un temps. Eh, on peut pas. C'est la fin de l'expédition. S'exalter maintenant. Donne à celui qui arrive casse de mourir, on sait jamais. Ah oui, parce que tu peux les garder. Et même moi, c'est, je vais pas m'exalter avec 3 points. Mais on peut pas trouver un indice aussi en. Non, mais quand tu peux les utiliser pour faire autre chose. Ah oui, avec 3, faire un save. Avec 3, tu peux fouiller, pour essayer de trouver un indice. C'est pas mal. Donc prends-le, à la limite, avec les 3, tu feras ça. Tiens, je te mets ce petit marqueur. Alors ensuite, vas-y, pose le. Ouais. C'est bon, c'est suffisamment mélangé. Alors, ok. Bon, ça c'est bien. Tireuse. C'est parfait. Moi. Moins parfait. 1, bien. 2. Ça c'est un relou. Ok. On va jeter nos dés. Ouais. Oh, j'ai 2-6. Alors, c'est moi le chef. Non, coup, c'est, non, bah, c'est Momo. Maintenant, c'est Momo. Oh putain. Vas-y, Momo, c'est à Momo, toi de gamer. Il y en a même un cinquième là-bas. Ah oui, tu vas faire le jet de. Du Dester. Alors, que nous réserve le jet. Oh, belle. On perd 2-2, c'est tout. Et tout le reste est bon. Voilà. Un 3, un 5 et un 6. Ouais. Je suis pas là pour déconner. Pas mal, c'est pas mal. Allez, allez, c'est parti. C'est à qui de jouer en premier, ça, toi ? Okay. Angèle. Du coup, je peux utiliser mes 3 points de destinée pour refouiller ? Oui, tout à fait. Je fouille dans le vide comme ça. Ouais, je c'est ça. Dans le vide. En fait. Tu claques tes 3 points de destinée et tu trouves. Ah, le même truc que Néo. C'est pas des points de destinée. Une archéotechnologie de 1. Ensuite, t'as claqué tes 3 points. Par contre, tu peux. Bah, je peux me barrer. Ouais, rush, ouais. T'as combien de moves ? Bah là, j'ai 8 avec mes dés de base. Donc, bouge, vas-y. Bouge. 1, 2, 3, bah attends, arrête, faut fouiller la case aussi. Non, elle a été fouillée par Néo déjà. 6, 7, 8, et puis au pire, je peux prendre un dé pour appeler. 8, tu prends, il te faut un 4 plus pour appeler la chambre. Appelle l'ascenseur. Non, mais le prends pas parce que moi, je vais pouvoir appeler. J'aurais largement un 7 dé pour rentrer. Non, c'est jamais gardé. De toute façon, Angèle, il aura fini de bouger, donc il pourra pas. Non, c'est pas plus mal. Il pourra pas rentrer dedans. Ça compte... Ah, quoi que ça peut nous servir à nous. Oui, c'est ça, on sait jamais. Parce que nous, on est super loin, en fait. T'as raison. Ouais, donc, moi, tu te positionnes là, simplement, et tu claques tous tes dés. Tu peux les écarter. Ah, qui a fait ça ? Sauf que ça veut dire que s'il repop, ils vont repoper dans sa face. Ouais, mais là, il va prendre le jour. Ah oui, par contre, tu rentres à côté. Et garde. Tu appelles la chambre, mais tu gardes en fait des dés au cas où ça repop là, tu pourras leur tirer dessus. Ouais, parce que regarde, je dépense un dé. Donc un dé, tac. Un, ouais. Hop, l'autre pour appeler la chambre, tu peux prendre un dé normal. Non, c'est un 4 plus qu'il te faut. Je balance un 6 ou pas ? Oui, bah. Sinon, oui, ce que je fais, c'est des échanges, je vous fais des 6. Ah ouais, ça sert à rien, y a personne à te prendre. Bah non, parce qu'on a pas de 4 plus. Donc on switch. Bah, je mets ça. Et puis du coup, avec un autre dé, je monte dedans et je garde un dé. Ouais, tu peux. Tac. Mais t'auras pas de ligne de vue. Hein. Voilà, donc le mieux c'est de se mettre là en fait, que t'aies une ligne de vue là. Et ah oui, ah, parce que vous. Et quand tu gardes un dé, tu le descends quand même de 1, donc tu passes à du 5 plus. Oh, ok. Ensuite, c'est à qui ? C'est au groupe 1. Est-ce que ça repop ? Vas-y, Morgane, à toi de jouer. Oh, ouh là là, putain. Tu crois ça ? Ça, c'était les. Les traiteurs guardiens. Donc il y en a 6 qui repop. Oh, et ça va être assez chiant, vous allez voir. Oh. Parce que là, on va un peu se prendre. Ils vont tirer maintenant. Ouais. Alors, il y en a 6, donc par défaut, il y a un sergent, un lance-flamme, un lance-grenade. Et après, des troupailles. Vous allez prendre cher les deux là. Donc, oh, merde. Ouais, non, mais ils vont viser, ils vont tirer sur le plus loin. 2. Là, par défaut, quand ils arrivent, ils tirent. Ils ont éclatos. Ils tirent basiquement. Et là, ils tirent sur le plus proche. C'est toi, Angèle. Par contre, t'es à couvert. Oui, je suis à couvert.
par ouais, contre. T'as un couvert vis-à-vis d'eux, mais ouais. j'irai pas vis-à-vis d'eux. Donc après. Ah si, parce qu'il passe par là. J'ai un couvert partiel. Ouais. Il y a un couvert dans ça n'existe pas. Non, parce qu'il faut que ce soit contre la cible sur laquelle tu tires. Donc, tu vois. Bon, moi, on peut considérer. Moitié. Allez, c'est parti. Qui fait léger contre allez, Angèle vas-y. Donc, on va faire d'abord. Il y a un seul fusil laser. Donc, ce sera un triangle. Pour commencer. Le fusil laser, c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est ceux qui sont pas à couvert. Un triangle. Ouais. Un triangle pas à couvert. Donc, okay, une blessure. Vas-y, défends-toi. Non, je suis pas couvert ici. T'as une défense en triangle. T'as un triangle aussi. Tu te défends. Voilà. Easy. Ensuite, t'as une grenade. La grenade, par contre, c'est un triangle et ça ignore les couverts. Rien. Alors, par contre, souffle, ignorer les couverts. De plus, faites un jet d'attaque, ignore les couverts contre chaque explorateur sur la même case que la cible. Okay. Donc là, c'est bon. Ensuite, il y a un pistolet et arme de mêlée, c'est un carré. T'en as un deuxième ici. Un carré. Oui, eux, il a couvert. Oui. Bah, rien. Il n'y a pas de critique. Le sergent, la même. Carré, rien. Et enfin, le lance-flamme qui ignore les couverts, par contre, et qui peut tirer jusque 2-3. Bon. Donc là, c'est bon. Et c'est un hexagone cette fois. Et il ignore les couverts. Oulala, un critique. Tu prends un critique que tu peux défendre quand même. Défends-toi. Avec un triangle. Alors, j'ai le critique. Je suis pas le capitaine pour rien. Il est pas capitaine pour rien. Captain Igloo, c'était beau. Donc, ensuite, du coup, on a fini cette activation du groupe 1. Ouais. On va pouvoir passer à Godefroy de Montmirail. Allez, il est soufflé là. À fond les fentes. Bah... Après, à fond la ferme. Ouais, je peux. Ouais, allez, j'avance, je m'en fous, j'ai rien à perdre. J'utilise le 1 pour t'attaquer là. Pour bouger un, de 2. J'utilise le 3 pour bouger de 2. Après, et là-bas, t'as un 6 pour faire une fente. J'utilise un 5 pour faire une avancée tailladante. Beau, c'est beau. Oh, c'est beau, de 1. Et tu taillades. Et je taillade. Ouais. Bim, un critique. Donc là, t'enlèves celui que tu veux. Le lance-grenade, si possible. Ouais, le grenade. C'est le plus dangereux. Faut pas le dire à l'avance. C'est lui. Oui, ouais, normalement, mais par défaut. Et il aura attaqué le grenadier. Il est pas bête. Et là, je avance. Tu peux pas réattaquer avec ton avance. Si, mais c'est la même chose, mais tu feras un déplacement. Je me déplace avant. Je tape le lance-flamme. Ouais, bien vu. Ouais, bien vu. Yeah, il est mort. Ouais, qui cible les. Prends le 6 là, t'es trop de fire. Je prends le 6. Vas-y, Godefroy. Je me mets là. Godefroy. Tu te balades. Oh là, il leur tourne autour. C'est la technique de la bachata. Ouais, il est encore. Yeah. 3 dégâts, tu sors pas sergent. Le sergent. Mais non, le sergent il a pas trop pour lui. Il a. Bah, vas-y, il a fait 30, c'est 3 dégâts. Et dernière attaque, je reviens là. Putain! Oh, j'ai il a refait des putains de danses de la. Non, je reste là. Le mec attaque en faisant le moonwalk. Allez, un dégât. Un dégât. Eh bah, c'est pas mal, ça nettoie. Et là, t'as pris le 6 ou pas là-bas? Ouais, j'ai pris. Ah, bah, faut l'enlever en fait. Ouais. Ouais, mais je l'ai dit. Je l'ai pensé fort, mais j'étais trop de petits bras. Regarde si je m'excite. Ouais. Non, tu t'excites pas. Ah, donc, à moi, je vais pas pouvoir faire grand chose parce que. Donc, trop lent. Je peux bouger trop avec lent. Un 2 plus, je peux bouger de 2 cases. Donc, je vais prendre ce 2 plus pour bouger de 2 cases. 1, 2. Le 5 3 plus. Là-bas aussi, tu peux bouger. Hein. Ah ouais, le 3 pour bouger de 2 cases. Et puis tu rebouges encore une case et puis tu peux tirer. Je bouge d'une case, comme tu dis. Et après, tu. Et ensuite, du coup, je me l'ai fait à la pince énergétique. Ah voilà, l'ancienne. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Donc, c'est 2D. Par contre, ouais, il est énervé. À la pince, ça peut piquer. Bah, j'en peux quand même. Hein. Lui, il est plus chiant encore. Donc, et ça, c'était mon 5. Ouais, donc, et il n'y a plus de D. Moi, je peux envoyer un 5 dans la tronche aussi. Ah oui, parce qu'ils ont non, popé. Joué. Non, si, parce qu'en fait, il était en alerte. Oui, quand ils sont arrivés, il peut faire un truc. Par contre, ils sont à... 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ouais, ça me fait un petit dégris, c'est quand même ça. Ouais. C'est ça de prix, hein. Ouais, pas génial, mais. Allez, il me faut un. Je tire sur le mec qui est blessé, hein. Je vais essayer de le finir. Attention, il a couvert. Ah ouais, sur l'autre. Bah, je tire sur l'autre. Ouais, c'est mieux. Non, bah, ça fera rien. Non, mais c'est pas grave, t'as essayé. Ça mange pas de pain, comme ouais, c'est ça de fait. Bon, je pense qu'on est bien. Ouais. On a plus qu'à sortir. Donc, on jette les dés. Je vais leur taper dessus, là. Jette les dés pour l'événement. Comme d'hab, Néo, tu mélanges pour la pile d'initiative. Tu essaies de faire ça vite. Ouais. Je sais qu'Angèle ne sortira pas de cette. 9 conditions changeantes. Pioche une carte. Si cette carte est impondérable, on l'applique. Pas de cartes, donc on l'applique pas. C'est toi qui passes chef, Angèle.
Oh putain, 3-1 et 1-5. Et t'es chef. D'accord, Angers ? Je suis toujours chef. T'es chef dans l'âme. J'ai toujours été chef. Chef dans l'âme. Ok, je révèle la liste. Allez, c'est parti. Captain Mourad. C'est qui, c'est les deux ? Les deux, c'était eux. C'est eux, là ? Non, c'était les Nightgold. Ah, bah c'est bon, alors. C'est bon, s'il repop. S'il repop, on l'a dans le babar. 3 sur 20, faut y aller. C'est bon ? Hop, et puis c'est bon, les gars, ils joueront en l'air. Allez, on prie juste pour que les Naïvols débarquent pas, parce que sinon je prends... Qui jette le dé ? C'est toi. Si on peut faire un test d'agilité et puis voir si moi je peux... Normalement, c'est le chef. C'est bon. C'est bon, il pop pas. Du coup, c'est à moi de jouer. Donc je vais... Ah, personne n'a fait les jets de destin, les mecs. Ouais, c'est un vrai qui gèle. En seul, tu fais pas ton travail. Moi, je vais faire un Yams avec des 6, tu vois. C'est pas une bonne idée, le Yams, en fait. Ouais, non, mais je sais, mais... Oh là là là. Les 5 et les 3, on a un 1. Putain. On a un beau 1. C'est le pire que j'ai. Ah, c'est le pire jet. Ouais, c'est le pire jet de la game. Capitaine... Captain Mourad. Je crois pas à la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah, on se casse, non ? Bah, ouais, mais là, je pense que. On va être dégommé avant de partir. Qu'est-ce que je fais ? Avec le 1, je peux mettre un coup de pince énergétique. Bah, on s'en fout, en fait, ça va nous apporter quoi de débuter ? Bah, si. Bah, si, il est mieux pour le fun. Ah, mais il veut la paix dans la galaxie. Néo, il veut pas de. Je m'en fous, mais je pense à la stratégie, moi. Mais en fait, le truc, c'est que. Il a pas raison, vas-y. Faut que je vérifie sur les mouvements, mais je crois que tu prends peut-être des risques. Bah, je vais le tuer, on prend. On est fini pour le beau jeu, de toute façon. Ouais, voilà. Beau jeu, comme tu dis. Voilà. Donc lui, il est mort, beau jeu. Beau jeu. Je croyais que tu voulais pas tuer de gens. Ensuite, je jette le dé pour voir si je m'énerve. Non, c'est bon. Et puis là. Son mot, c'est que vous allez tous crever. 1, 2, 3, 4. Je me mets là. Il me reste 1. Pour la forme, au passage, je vais tirer. Il peut repopper, fais gaffe sinon. Attends, tu gardes ton jet. Ouais, t'as raison. Je garde un 5. Bah non, parce qu'on sera tous partis alors. Non. On sait jamais. On sait jamais. Allez, à moi, on est tous dedans. Non. Bon, bah moi aussi, je mets un coup. Pour le plaisir, je mets un coup de. Non, mais toi, t'as pas assez de distance. Vas-y, je vais prendre un dé. Non, y a plus de dé, Y a plus de dé. Juste toi, tu vois. Oh merde. Là, tu fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, pour la forme, je m'enfuis. Mais au moins, je m'en occupe. Vas-y, Angèle, mon frère. J'ai genre 15 attaques là. Ouais, attends. Vas-y, Angèle. Ah non, c'est à Néo. Je joue le Néo. Toi, reste en alerte. Ouais, moi, je mets un petit coup de pipiou. J'ai même pas de dé. Putain, non, mais Néo, il est. C'est le destin, les gars. C'est ton destin. Tiens, toi, c'est ça ton dé, toi. Le Néo, il est à couvert, par contre, hein, tu vas rien lui faire. Mais si, regarde, t'es prêt, regarde. Non, mais laissez-le vivre, le pauvre garde impérial, hein, les gars. Tu mets tout sur la table, boum. J'ai 4 dégrés. Néo, t'en mets un par un. Si, j'ai 2 fois 2 dégrés, il me faut un critique. Sinon, tu prends pas, tu en as. Sinon, ça fera rien, il faut juste un critique. Il bluffe. Ok, j'ai 2 autres dés. Ça fait. Yeah yeah. Boom, il est mort. Attention, non, il était à couvert. Allez, donc tu prends ton dégât, mais il prend qu'un dégât, mais tu sais, tu vas aller jette le dé si tu fais un 1. Allez, un petit 1. Ouais, non. Alors ensuite, c'est à toi, Angèle. Ok, moi j'exécute Néo pour voler. Je t'ai volé ton kill, Angèle. Pour rébellion. Et ensuite, on jette juste pour voir si ça repop pas. Sinon, ouais, on risque de se prendre des tirs. Ça repop pas. Fin de la game. Fin de la. Mission. De l'exploration. Voilà. Bon, bah, comme d'hab, j'ai pris la blessure critique. À chaque exploration, Momo, il prend une blessure grave. Ouais, je crois qu'on va rentrer à la maison, Momo. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois. Ça commence à être chaud, pique, là. Ça pique. Ah, mais tu donnes tout, c'est normal. Ah, putain, mais chauffe. Bon, on est bon, les gars. Ouais. Du coup, il va nous rester une petite. Une dernière carte, du coup, exploration. Il en reste une. Défi. La dernière. Duel la mort. Alors, décompte. Un piège, Astaz, protège un trésor de la forteresse noire. Oh. Le chef choisit un explorateur. Ce dernier peut soit ignorer le piège, soit tenter de le désarmer. Donc là, je vais décider de choisir deux explorateurs pour le jeu. On va prendre Néo et Angèle. Ok. Okay. Deux au lieu d'un. Je pousse Néo dans le piège, il le désarme. Non. On a besoin d'un sacrifice. Donc chacun, Morgan, je veux bien que tu prennes ton compteur sur ton iPhone. Donc toi, ah oui, c'est bon ça. Tu vas prendre. On va te mettre à côté de Néo là-bas. Oh merde. 5 D. Morgane, tu vas venir de notre côté. C'est quoi si jamais on fait alors, un, c'est... on bon, là du coup c'est moi le chef, donc on va pas ignorer le piège parce que j'aime bien le principe. Ok. Et okay. Ça va se répercuter sur toi. Angèle, mets-toi de l'autre côté. C'est combien de temps? Alors, mais attends, tu mettras le go. Alors, je te dis, on va dire 3, 2, 1.
Et ensuite, vous aurez 20 secondes pour dire, pour faire ce que je vais vous dire là. Ok, okay. Vous avez suivi? Faut que je lance les dés quand même? Alors, pas encore. Pas encore. Quand je dirai 3, 2, 1, vous lancerez les dés. Et il lancera le décompte de 20 secondes. Ok, ok. Donc, vous disposez de 20 secondes pour empiler les dés les uns sur les autres pour former une colonne sans les faire tomber. Le premier dé. Écoute, Néo. Les dés que tu as dans la main. Néo. Ok, ok. Chacun pour soi. Ah oui, 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 ok, ok. Donc, là, tu les lances pas pour le moment. Si, il faut les lancer. Il va falloir les lancer. Tout à fait. Le premier dé de la colonne doit avoir pour résultat 1, le deuxième 2 et ainsi de suite. Jusqu'au cinquième. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une suite, une petite suite. Et. Tu vas donner le go, Morgiche. Ouais. Morgan, vas-y. Attends, juste. Là, mais vous avez compris les règles ou pas? Ouais, ouais. Si on n'a pas les bons résultats, on peut les relancer. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est parti. Et on a le droit de les relancer ou... Ouais, tant que tu veux. Tu veux les relancer autant que tu veux. Mais, mettons, genre, c'est comme ça. Mettons, c'est, je fais un 6. Est-ce que je peux lui donner la phase que je veux avec la non. Non. Normalement, normalement, il n'y en a qu'un de vous deux qui le fait. Ouais. Là, exceptionnellement. Par contre, on va se bouger le cul, on va commencer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. T'es déjà 1. Ok, vas-y, moi j'ai un 2. J'ai un 5. Non, mais non, attends, attends, on recommence, on recommence. C'est lui, il me dit vas-y, Léo, j'ai un 1. Non, non, recommence, stop. Chacun fait sa pile. Chacun fait sa pile. Ah, je sais pas, je pensais que c'était. Non, c'est pas commun. Les deux réussissent ou juste un? Faut que les deux réussissent. Ceux qui réussissent pas, ils crèveront. Tout le monde meurt. Vous êtes prêts? Et la fin de la sonnerie, c'est un aboiement, je vous préviens. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, j'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3. Il vous reste 10 secondes. Ouais, mais ça va hyper vite. C'est pas possible, j'ai pas le droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis capitaine, je peux pas faire de 1. Le capitaine peut pas faire. Si ce défi est accompli, attends, l'explorateur pioche une carte découverte. Haha, Angèle, tu vas faire ça. Sinon, voilà. Il meurt. Sinon, jetez de nouveau les dés de destin. L'explorateur subit une blessure pour chaque résultat de 4+. Oh, bah ça va. Angèle, vas-y. Ah oui, c'est les tiens. J'en jette 5. Oui, oui, c'est ça. Donc si je fais 4 réussites, je meurs. C'est plus compliqué que ça, mais vas-y, jette les dés, tu verras. C'est bon, donc là, t'as deux blessures. Voilà. Ouais. Donc la prochaine exploration, tu la commenceras avec deux blessures. Oh là 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 là, Angèle, incapable de faire une petite. Parce qu'on avait Godefroy, on va rentrer à la maison. C'était un petit piège à Stas, tu vois, mais c'est moi, ça a bien marché. C'est dur en vrai, hein. Là, la. Défermer. Mais j'ai pas fait 2-1 en même temps. Ouais, j'ai eu les bons jets, mais c'était chaud quand même. La première fois, j'avais tous les bons jets. Ouais, putain, mais t'as bien géré la première. Mais vous êtes pas bien entendu. Mais bon, bref. Bon, les gars, je crois qu'il faut qu'on aille à précipice, non? Ouais. Ben, c'est comme vous le sentez. Bah ben oui, on va important. Précipice. Ouais. Survivre. Moi, je peux plus continuer à me battre dans ces conditions. Moi, je vais bien. On envoie les blessés en tant que bouclier humain et puis. Alors, du coup là, comme vous le voyez, on retourne à précipice. En fait, on va voir que chaque bateau a, chaque navire, vaisseau, pas des chaque bateaux. Vaisseau, tant pour moi, a des installations. Donc, on va le mettre côté installation. C'est installation ou installation? Installation. D'accord. Et chaque personnage va pouvoir faire différentes choses. Donc, on va mettre ça dans ce sens-là. Alors, c'est le capitaine. Captain Mourad a décidé, suite à un saignement de nez, de mettre fin à l'aventure. Hein, voilà. T'es courageux, mais pas téméraire. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a Momo. Ah, c'est blessure. Ouais, c'était pour le blesser que je me suis arrêté. Oui, c'est pour sauver Momo. Moi, je prends jamais de dégâts dans les gars. Toi, t'avais quand même en arrière-plan deux blessures. Ouais, non, mais moi, c'est des blessures. Il y a un à cause vieux de... piège, voilà. Astaz. Non, mais moi, en combat, je peux pas prendre de blessures. C'est impossible. Le premier événement qui se passe quand on monte à précipice, c'est qu'on révèle une carte leg. Et ici, par exemple, la carte leg, c'est nouvelle menace. Ajoutez les cartes rencontre Rock Psyker dans la pile de rencontres lorsqu'elle est mise en méchant. Place au début de l'expédition. Donc là, en plus des créatures qu'on a pu croiser là, on va en plus pouvoir croiser des Rock Psyker. Donc à chaque fois qu'on va remonter, ça va augmenter la difficulté. Ouais. Par contre, chacun des personnages est soigné de l'ensemble de ses blessures. Donc ça, c'est cool. Moi aussi pour Godefroy et pour Neyam. Et enfin, en fait, chacun d'entre nous va pouvoir tout simplement utiliser les ressources qu'il avait. C'est-à-dire que, en gros, pour chaque vaisseau, on va piocher 3 cartes. Vous le faites, les gars? Ouais. Vous les mettez devant. Et en commençant par le chef, et en on les met dans le sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, tu les retournes, tu te contentes de les mettre. Donc là, c'est Néo, là.
Donc là, on va commencer par Néo parce que c'est Néo le chef. Ouais, j'arrive de l'autre côté. Ouais, pas de souci. Du coup, Néo, tu vas pouvoir acheter. Donc, sur ton bateau, si tu restes commercé sur ton bateau, tu as 3 oui. de valeur, plus 1 parce que tu es sur ton bateau. Donc, tu vas pouvoir acheter des artefacts jusqu'à 4. Typiquement, tu peux te prendre 7 artefacts et certains artefacts. Pas mal. Par contre, tu peux aussi aller piocher pour 3 dans n'importe quel autre bateau. Mm-hmm. Donc, une fois que tu auras choisi, donc là, je te propose à la limite de choisir un peu, voilà, tranquillement. Mm-hmm. Et une fois que tu auras choisi, on va remplacer la carte qui est manquante par une autre carte du bateau, toujours. Et on va pouvoir faire nos emplettes chacun notre tour. Sachant que moi, par exemple, qui n'ai qu'un indice sur moi, bah, du coup, je ne vais rien pouvoir acheter. Mm-hmm. Sauf un objet à 1 sur mon bateau. Ok. Voilà. Du coup, je propose de lire vite fait ce que ça dit. Tu peux être en commun notre argent. Stabilisateur chronométrique 4+, cet explorateur peut effectuer 2 actions. Son activation à ce tour. Après, lis bien parce qu'il y a des trucs qui sont à des usages uniques. Voilà, il y a des choses qui sont écrites défaussées, donc tu vas les défausser vraiment. Ouais. Et il y a des choses qui sont épuisées. Là, par exemple, toi, t'as que des défaussées. Ah ouais ? Non, ouais. Celui-là, non. Mais c'est écrit défausser cette carte pour effectuer l'action. Ah c'est ouais, le premier mot. Défausser. Épuiser, c'est-à-dire juste une fois par. Tu peux le faire une par expédition, mais à chaque fois, il revient. Ouais. Donc, épuiser, c'est mieux que défausser. Mais souvent, épuiser, c'est ça va valoir plus cher. Par exemple, tu vois, lui, tu peux le jouer, tu vois, tu l'épuises cette carte lorsque cet explorateur effectue une action d'arme. Tant que la cible de cette attaque est à portée de 4 ou plus, cette action d'arme est considérée comme une action d'arme avec visée. Donc ça te permet en fait de tirer à distance en ignorant les couverts. Et le bonus là, quand tu es dans ton vaisseau, c'est plus 1. Au total ou par carte que tu prends ? Non, au total. Au total ou par carte que tu prends ? Ça ne réduit pas la valeur de chaque carte de 1. Ça te donne juste un crédit en plus. Au total ou par carte que tu prends ? Uniquement au total. Au total. Ou et par pas carte. Par carte que tu prends. Il faut que tu répondes complètement à la question. Oui, j'ai répondu complètement deux fois. Tire-d'élite, ça m'a l'air pas trop mal. C'est alors, juste pour moi, si tu l'achètes. Non. Ouais, mais alors non, il peut choisir non. aussi. Ah, non, mais pour mon vaisseau, je veux dire. Non, mais c'est pas pour son vaisseau. Ah, vas-y. Il peut acheter c'est sur. En commun, mais. Comme il est premier à décider. Épuisez cette carte pour relancer un dé d'action pour une attaque effectuée par cet explorateur. Cible un hostile à portée 4+. Défausser cette carte à la fin de la prochaine expédition. Alors ça, c'est bien, mais faut que ton 4 ou plus, faut que t'aies un bonus. Ouais, ouais c'est peut-être mieux de le laisser. Je peux les garder, mes sous. C'est mieux de le laisser à Néo. Ouais, tu peux garder tes sous. Moi, je vais garder mes sous, alors. Et puis toi, Néo, je pense que pour tirer, t'es pas forcément... Mais est-ce que tu rends la monnaie ? Non. Non, mais c'est pas, moi avec... c'est pas avec moi que tu commerces, en fait. C'est avec le jeu. Mais il rend la monnaie ou quoi ? Le jeu. Ouais, tu gardes ce que t'as pas dépensé. Mais par exemple, là, ça vaut 3. Ah oui, ah non, ça rend pas la monnaie. Non, dépense tout. Ouais. Bah, toi, tu peux dépenser jusqu'à 4. Et ça, c'est pas mal, ça peut être nul. Pas mal. Non, c'est nul. J'ai lu, c'est nul. Tu épuises cette carte confiant, pour relancer un jet d'attaque raté pour cet explorateur. Ouais, c'est nul. C'est 4, pas mal. C'est nul. Un jet d'attaque. En permanence ou c'est défaussé ? Tu tapes. Ah, vas-y, j'achète. Oui, c'est pas attends, mal, il a pas décidé. Mais il peut pas l'acheter de façon. Ah ouais, tu veux garder. Il a que 3, il peut pas acheter. Après, t'es bien conscient que tu vas porter un masque d'Eldar. Ah bon ? Oui, bah ouais, c'est la tête que tu vas avoir. Mais c'est pas grave. Et on peut faire une conversion sur la figue ou quoi ? Bah, bien sûr que non. Bah, enfin, si tu le fais toi-même, oui. Avec grand plaisir. Ah, bah, si Momo il a fait, ça va être génial. Ça va être... Je vais redire. Donc, si tu t'achètes la figurine, que tu la customises toi-même, que tu l'as pas toi-même. Mais non, mais c'est celle-là, il fait de la chose. Parce que Momo il a pas de green stuff, il a ses crottes de nez pour les conversions. Ouais, mais est-ce qu'il y a de la super glue, crottes de nez super glue ? Ça va. Je peux le faire maintenant ? Ouais. Non, ah non, on met la vidéo en pause. Revenez nous voir dans 5 minutes. Je passe en atelier bricolage. Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est bon. Je l'achète ça direct. Allez. Tiens, en janvier, on n'avait pas dit que c'était le mois sans alcool. Qui a donné à boire à Morgane, bordel. Je vais faire une crêpe. J'ai cru qu'il allait vomir, le mec. Alors, ensuite, c'est à qui ? Ensuite, c'est Angèle. Donc, toi, Néo, tu gardes tes sous, il est économe. Ouais. T'as 5 Angèle, tu peux acheter ça. T'as des cartes assez puissantes, hein. T'as 4. Tu peux acheter ces deux-là. Ou rien d'autre en fait. Non, moi je vais juste dépenser. Je vais garder ça pour un copain qui pourrait jouer Janus et Drake. Ah, c'est sympa ça. Et je vais juste prendre ça là. Portail sur la toile. Ça te fait plaisir. Au début d'un combat, je peux me placer où je veux en la défaussant. Ah, c'est pas mal ça. Waouh.
Ça, c'est pas mal. C'est défaussé, c'est usage unique. Hein. Oui, je sais. Okay. Du coup, c'est à moi pour un. Je vais prendre le harnais à technodendrite. Grâce au harnais, en fait, l'intérêt, c'est que quand lui, il aura défaussé ça, ben moi, je pourrais le récupérer. Ou utiliser cette carte juste après qu'un explorateur a défaussé une carte ressource. Cet explorateur prend la carte défaussée, puis le harnais est défaussé. Donc, je le récupère, voilà. Bon. C'est cool, ça. C'est pas mal. Ça dépanne, et puis vu que j'ai que un, de toute façon, pour commercer... c'est le mieux que je puisse. Ah oui, donc t'as quand même un de base, ouais, c'est ça. Bah non, j'ai zéro de base, mais vu que je suis dans mon truc, je réduis. Du coup, j'ai un de base. T'as un. Par l'ensemble de mes achats. Ensuite, il faut savoir que, par exemple. Par carte ou pour tout. Moi, le long, par le long courrier gamma, vous pouvez faire aussi l'effet qui est écrit. Il y a une soute à déchets, je jette un dé de sombre roche. jette un de vos collègues. Vous pouvez relancer le dé si l'explorateur qui utilise cette installation est UR25 ou Rain and Ross. Sur un 1, l'explorateur est tué, comme s'il avait un jet de rétablissement. Sur 2 à 10, rien ne se passe. Sur 11+, l'explorateur reçoit une carte archéotechnologie tirée au hasard dans la pile de découverte. Et tu peux le relancer. Je vais le faire. Hein. Sur un 1, tu meurs. Hein. Ouais, mais je m'en fous, je peux le relancer. Et c'est là qu'il relance et tu peux le relancer. Là, je suis fait un. Je fais 16, donc je peux gagner une carte exploration, une carte archéotechnologie. Donc là, j'ai un petit 2 en plus, c'est pas mal. J'aurais dû le faire même avant, comme ça, j'aurais pu acheter des trucs en plus. C'est pas grave. Vous avez pas des trucs spéciaux sur Ils en ont tous, mais après, il faut lire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est marqué où ? C'est écrit sur le côté installation, de l'autre côté donc. Voilà, et là il faut que tu lises les mots. Installation ou installation ? Vous pouvez relancer le dé si l'explorateur est Annaline Shadow Guide. C'est moi non ? Non. Si le résultat est supérieur au nombre de cartes indices de l'explorateur, rien ne se passe. Si le résultat est supérieur, une carte, tu jettes un dé de 20. Un 2. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de cartes indices, il reçoit une carte. Bon, vas-y, de toute façon, ça ne lutte rien. Jette mon dé, il faut que je fasse un 1. Heureusement que ouais, si tu fais pas un, si non, tu fais un, tu meurs. Non. Tu gagnes un indice, mais tu meurs aussi. Angèle, tu fais quoi moi, toi? Moi je le fais sur un 3, un 12, rien ne se passe. Un 2, je suis blessé, je peux plus rien acheter. Pour le tour, mais disons. Et un 13, 20, je gagne un point d'exaltation pour la prochaine. D'accord. Et tu peux le relancer, c'est ça? Je peux le relancer, oui, parce que je suis capitaine du vaisseau. Captain Mourad! Ah, je vais exploser ma vie en même temps. Ouais, oui, un point d'exaltation, ça t'en fait 4. Bah non, je dis non, il y a des 3 déjà. Bon, ben voilà. Ok, super les gars. Allez, en place pour la conclusion. Allez, en place. Voilà les amis, fin de la game. On a été rejoints par deux femmes ou deux femelles. Ouais, une femme et une femelle. Une femme et une femelle. Non, non, mais c'est parce qu'il y a Sunset, Sunset, le chat de la famille, qui est une femelle. Et le mec, il veut faire des vues à tout prix. Le chat, il a intégré des chats et des femmes. Il y a des petits chats tout mignons. Regardez bien, Néo va se faire griffer en direct. À force de torturer son chat. Elle est trop mignonne. Voilà pour la première partie de la chaîne en Blackstone Fortress. On espère que ça vous a plu, les gars. Bilan de l'opération, okay. Angèle. Émotion maximum. Je pense que c'est bien. Je pense que si tu fais le comparatif avec les autres vidéos, là, il a son démoli, plus beau sourire. Hein, quand même. Ouais, c'est vrai, il a un sourire, il y a un mouvement de la tête. Je fais la traduction, j'ai le décodeur d'Angèle, ça veut dire ce jeu est vraiment très bien. C'est bon, Angèle, c'est validé. Ouais, Néo. Bah super. Ouais, nickel, ça c'est bien passé, on a tout démoli, moi j'ai pris zéro dégâts. Pas comme tout le monde. Ça c'est sûr. Moi j'ai fait un piège. Moi je regarde, c'était ma faute en plus. Voilà les amis, pour Blackstone Fortress, très bon jeu. Première expédition. Le matos c'est de qualité, il y a plein d'extensions, on les a toutes. Et on va tout faire. Parce qu'on est des fous, on va tout peindre, on va tout jouer. Mais vous allez pas spoiler quand même la lettre cachée? On la spoilera. Déjà parler d'une lettre cachée, c'est pas mal. Ouais. Non, mais parce que tu le sais dès le début. Ah, oui, à la fin de la forteresse. Parce qu'il y a une crypte cachée et t'ouvres une enveloppe. Ça, c'est cool. Il t'ouvre une enveloppe qui est scellée et donc tu l'ouvres, il y a écrit dedans l'empereur est mort. Mais tout le monde a la même. Est-ce que tout le monde a la même? Bah, bien sûr. C'est un objet exceptionnel qu'on n'a pas. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas spoiler. Ouais. On va le faire. Ouais, enfin, je vais. Mais peut-être que je pourrais dire. D'ailleurs, je vais vous dire comment se finit le dernier Star Wars. Attention, spoil, tu vois. Attention, spoil. Cachez vos yeux. Fermez vos oreilles. Ah, mais non, tu peux pas faire ça. Faut être Tu mets pause, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça la technologie. Ouais, c'est ça. Bon, ok, ça marche. Bon, moi, on va faire ça. On va spoiler tout, alors. Voilà, les amis, pour la première partie de Blackstone Fortress. On espère que vous avez kiffé. Les bonnes résolutions de 2020, c'est plus de vidéos. On va filmer tout ce qu'on fait.
Il y a des trucs que je préfère pas voir, si tu veux. Alors là, il y a Margaret qui vient là, parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Ouais, il est bouché et tout, tu vois, genre. Bricolage et tout, tu vois. Bon, pas tout, presque tout. Ah, d'accord. D'accord. Les parties de jeu, en fait. Presque tout ce qu'on va faire. Ok, les amis, donc on vous souhaite une bonne soirée. On espère que vous avez kiffé la vidéo. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Blackstone Fortress ou de n'importe quoi, puisqu'on a dit qu'on va tout filmer. Je vais commencer par la vaisselle. Je vais débarrasser. Un extra à la fin de la vidéo. Ouais, je vais débarrasser les bières. Et Il y aura peut-être un petit tuto comment. Changer la caisse du chat. Ouais. Il n'y a pas les odeurs sur YouTube. Bon, allez, à bientôt, les amis. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on va se revoir très bientôt en 2020, tout le temps, toutes les semaines. On a dit une fois par semaine pour la gueule. Putain, le chat va me faire. J'allais dire sûr qu'il allait finir par attaquer le chat. Allez. Bisous. Salut. Bisous, bisous.